Allez. Bonsoir tout le monde, ça y est, nous voilà. Alors, je nous vois pas, c'est perturbant du coup, mais ça y est, je nous vois maintenant. Oh, Mon Dieu. on a des bonnets de Noël. Ah oui, d'accord, je comprends du coup. Alors, bonjour à ceux qui sont sur le chat. Il nous manque Alain pour l'instant, qui va peut-être arriver quand son ordinateur voudra bien, sa connexion, je sais pas. Et en tout cas, ce soir, on est avec une grande partie de l'équipe, du coup, de Blue Cocker. Vianney, que vous connaissez maintenant, je pense. Enfin, Oui. que vous connaissez déjà d'avance, mais que vous connaissez de notre équipe maintenant. Bonjour. Tout ça, tout ça. Et puis Xavier. Tout ça quoi? Salut. Tout Tout ça, ça. après, bonjour, tu sais, bonjour, salut, ça va, wesh, On a une superbe image de Noël aussi dans le coin. C'est rigolo. quoi. Ouais, c'est des décorations comme quand j'étais petit. Donc Avec des boules roses. c'est Xavier qui s'occupe de la technique, hein. Moi je fais pas des présentations artistiques comme ça. Et de la déco aussi, De la pardon. déco, ouais. Donc Xavier est à la technique, mais va aussi participer. Je les entends se mourir de rire là. Qu'est-ce qui... Non, c'est Vianney qui s'étouffe. Je meurs tout court. Ah, Ouais, ah mince, il d'accord. rigole pas plus que ça, en fait, juste il est en train de mourir, ouais. Alors Vianney est malade, donc excusez-le, le pauvre. Ah, Donc ça y est. bref. Je vois Alain. Ah, nickel, Alain est là, Ah. on va pouvoir le. Il va pouvoir se joindre à nous sur le live. Nickel. Et on te voit? Ça, c'est fait. Ah oui, on te voit. Ouais, Ça vient, il il vous est au en taquet, fait Xavier. venir Bonsoir, sur Ninja. Alain. Bienvenue. Du coup, ce soir, on est là pour discuter du bilan 2023 de Blue Cocker. Chose sérieuse. On avait dit qu'on ferait un bilan. Ah oui, on va pas forcément parler chiffres, quoi. Je sais T'as pas dit si... En fait, est-ce qu'on te un bilan voit... politique. Non, non, t'inquiète, c'est parce que je suis en train de t'intégrer dans la Ah oui, magnifique. d'accord. Je me demandais si tu étais en cours Je de... suis en train de t'intégrer dans le magnifique overlay, du coup, je fais deux, trois manips et tu seras avec nous dans un instant Donc pour sur l'instant, on le n'entend Witch. pas Alain, en fait, c'est ça? Si, alors on doit l'entendre, mais on ne voit pas. Ah non, on ne doit pas l'entendre encore, pas forcément. Mais vous allez bientôt l'entendre, rassurez-vous. Regardez, le voici, le voilà. Le Père Noël est arrivé. Rassurez-vous Donc ou Alain disait inquiétez-vous, que... on ne sait pas. Ouais, On va pas forcément faire les jeux. Voilà. oui, bah parce que le Ça y est, on te bilan voit. comptable et financier, bah, pour ça il faut voir les comptes. Et moi, l'année comptable, elle se finit au fin mars. Donc bah, le bilan 2023, il aura lieu en mars, en avril, parce que je suis fainéant. Par contre, on peut faire un bilan ludique des gens et des jeux et de ce qu'on a fait et vu. Ça, on est toujours capable de dire des conneries. Donc, Un bilan ludique des gens, c'est quoi? ben, À par quoi t'as exemple, joué? Qu'est-ce que t'as aimé, quoi? ouais, et puis qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites dans Blue Ah Cocker? oui, d'accord. Dans l'année, voilà, toi, il me semble que tu as fait plein de lives, quand même. Donc, Oui. voilà, il y a des choses à dire. Ben ça, les gens le savent, normalement, j'espère. Mais je vais le Oui, mais répéter. enfin, voilà, faire un petit résumé, on a quand même. Si c'est vrai, oui, c'est intéressant, t'as raison. Ouais, voilà. Donc, voilà, et puis parler surtout des projets actuels et futurs de Blue Cocker. Parce que c'est ça qui les Tout à intéressera fait. plus. Xavier, est-ce que tu veux commencer à Oui. faire ton bilan de l'année? Bonjour, je m'appelle Xavier. Je fais partie de l'équipe de Blue Cocker. Et ça fait maintenant 2 heures que j'ai pas joué. Ouais, bravo!
2 heures, t'as dit, parce que 2 ans, ça marche pas. Hein, mais. Ouais, 2 heures. 2 heures. Ouais, 2 heures. Ouais. Est-ce que j'ai joué? Non, j'ai pas joué les 2 dernières heures. Mais j'aurais bien aimé, ah, mais putain, j'ai pas. En plus. J'ai dessiné des bonnets, en fait, sur Gimp. T'as dessiné des bonnets? Donc t'as joué. J'ai dessiné des bonnets et des gros lots. Ah, donc non seulement t'as choisi la déco, mais c'est toi qui l'as créé en plus. Mais oui, mec! Putain, c'est le taquet, hein! Foire. Ah, ouais, attends. C'est violent. Mais il y a un level, hein! Ah, ouais, bah là, moi, je suis incapable de faire ça. Hein. Je sais, mais pas grand monde est capable de faire ça. Hein. Et c'est pas plus de mal. Faire des bonnets? Et c'est vraiment pas plus mal. oui, donc moi, mon rôle chez Blue Cocker, c'est d'être au reine de la communication. Et ah, on a perdu Adeline. Elle va revenir, j'espère. Ouais, elle est revenue. elle a fait un ouh. C'est... Ah oui, voilà, ah, ton image avait disparu. Tout va bien. Donc ouais, mon rôle, c'est de me charger de la communication, de faire un peu aussi de l'événementiel, à savoir. Tous les petits festivals, quand je dis petits, c'est pas bien de dire les petits festivals, tous les festivals sur lesquels nous ne sommes pas présents en tant qu'éditeur avec un stand, je suis en lien avec eux pour envoyer des jeux, pour éventuellement envoyer des animateurs, etc. etc. Ça, c'est une partie de mon boulot. Et une autre partie de mon boulot, c'est aussi de développer des jeux qu'on fait en équipe et où chacun, on va avoir plus ou moins un projet personnel qu'on suit. Et sur lequel tout le monde nous file un coup de patte, puisqu'on est des Blue Cocker. Donc, pour voilà. parler, comment on dit, intitulé de poste, tu es chargé de communication et chef de projet. C'est ça. C'est ça ? Oui, voilà. Exactement. Et puis voilà. Donc là, cette année, moi, j'ai bossé à la communication de Medieval Academy, de Caral, dans un premier temps, de Medieval Academy. Et de Welcome to Edition Collector, qui sont les 3 jeux qui sont sortis cette année chez Blue Cocker. Donc, on peut peut-être faire un petit retour rapide sur ces 3 jeux pour un premier bilan. Voilà, par exemple, Alain, explique-nous pourquoi tu as décidé de localiser Caral. On aimerait tous savoir et comprendre. Alors, d'accord. parce que c'est un excellent jeu. Moi, j'adore y jouer. C'est un jeu... assez familial et malin, qui a un rythme très particulier, qui est le rythme à la fois de la partie et du tour est imposé par les joueurs. Et donc c'était vraiment rafraîchissant et très sympa à jouer. Par contre, c'est le problème des localisations. Si c'était moi qui l'avais fait, j'aurais pas fait comme ça, notamment pas celui-là. Mais pour plusieurs raisons, il a un look plutôt expert, alors qu'au contraire, il l'est pas tant que ça. On peut rappeler que c'est quand même l'auteur de Carcassonne, Klaus Jürgen Wrede, qui a fait le jeu, et qu'on est sur un poids qui est évidemment supérieur à Carcassonne, mais on est d'accord qu'il n'est pas du tout au niveau expert. C'est ça. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce qui a un peu desservi le jeu, on va dire. Mais je suis très content de l'avoir édité. En plus, c'était pour moi une première expérience de localisation, je n'en avais jamais fait. Ça m'a donc appris plein de choses, à faire et à pas faire. Si vous entendez le bordel derrière moi, c'est le tout dernier membre de Blue Cocker qui fout le bordel. On en parlera plus tard. Chef de projet particulier. Et... ouais, chef de projet assez particulier, celui-là. Chef de projet scatologique, on va dire. Bravo, c'est bien dit. Bon, par contre, il va falloir préciser rapidement quand même de quoi il s'agit, parce que... Ouais. Il s'agit de Benoît. Allez. Non, je vous ai même mis une petite photo pour que vous le voyez dans un état calme, le dernier chef de projet. Donc, on pourra vous le montrer. Donc Caral, voilà, moi c'était vraiment, j'ai découvert ça à SN il y a 3 ans, sur le stand de, allez, ça y est, soudain j'ai un trou sur l'éditeur Fun original, Tales. Merci Fun Tales, on a fait une super partie, j'ai discuté un peu avec l'éditeur original qui m'a envoyé une boîte, on a fait des tests. Puis on a pas mal travaillé sur le jeu, ce qui est assez rare en localisation.
Pas assez selon moi pour vraiment l'adapter au marché français. Mais bon, c'était très intéressant à faire. Mais voilà, après, bah, ça n'a pas marché. Mais bon, si tous les projets qu'on faisait marchaient commercialement, ce serait ennuyant comme métier. Donc voilà, on est content de l'avoir fait. On n'y a pas gagné d'argent, mais on a permis à un bon jeu d'arriver sur le marché français. Et ceux qui ne connaissent pas vont pouvoir encore le découvrir dans les boutiques qui l'ont commandé. Et puis à Cannes, on en aura aussi. Vous pourrez venir voir ça. Et est-ce que tu penses que Voilà, tu ça c'était le. réitérerais l'expérience de la localisation du coup? Alors, c'est possible. Si tu as vraiment un jeu qui le mérite. Après, moi, je trouve que l'inconvénient de la localisation, ben, c'est ça. C'est que tu peux pas adapter. Enfin, tu peux pas amener ta patte, en fait. C'est souvent, et c'est normal, hein. Moi, c'est pareil. Quand mes jeux sont localisés à l'étranger, je suis pas super chaud pour qu'ils changent plein de choses, en fait. Parce que ben, on a développé le jeu, on y a pensé, enfin tu vois, Ça on a arrive fait le taf. régulièrement Donc quand t'as qu'on quelqu'un te qui demande s'amène. des choses, des changements au niveau des jeux. Oui, c'est encore arrivé c'est encore arrivé maintenant, donc la semaine dernière. Je vais faire des changements sur Medieval Academy en Pologne. Et que ben, par exemple, j'ai refusé. Il te demandait quoi? Donc voilà. Juste pour avoir une idée Il me de. demandait de changer, c'était des petites choses, mais il voulait bah, déjà rendre le score visible, ce qui est d'après moi une énorme bêtise, parce que du coup, à la fin, tout le monde calcule pour savoir quel coup on va faire pour optimiser et tout ça. Donc Medieval Academy se doit d'être un jeu à score caché, plus des petites modifs aussi, et qui... C'est aussi problématique quand un jeu est localisé, c'est que si un pays a des règles différentes, bah du coup, pourquoi les autres les auraient pas, tu vois? Donc ça peut valoir le coup de changer les choses, mais dans ce cas-là, tu les changes pour tout le monde. Du coup, c'est une machine à gaz, Après, quoi, parce t'appelles que ça la variante suédoise. ceux qui l'ont Très déjà. élégant. Ouais, voilà, mais. Voilà, c'est problématique parce que ceux qui ont déjà localisé le jeu, ben, c'est pas sûr qu'ils refassent un print. Et s'ils refont un print, ils vont te dire ouais, pourquoi j'ai pas eu ça pour le premier? Les gens, Ouais, c'est qu'est-ce qu'ils vont clair. dire, ceux qui ont acheté la première version et tout ça. Enfin, c'est compliqué, quoi. Là, avec FunTales, le côté pratique, c'est que ben, ils le faisaient en financement participatif. Donc, c'était encore chez personne. Donc, on avait vraiment une marge de changement qui allait impacter tout le monde, du coup, mais qui était du coup beaucoup. Aussi, donc ils sont habitués à faire ça, c'est plutôt eux qu'on contacte pour le faire. Il faut savoir que ça demande aussi, et ça nous a posé des problèmes. Est-ce que c'est moi qui a Non, plus je de m'en occupe, ouais. son? C'est la transition de Je ne l'image sais pas. qui a pas capté le son Ah. derrière. Donc on a Ah, une toute petite d'accord. coupure quand j'ai fait un petit changement et tu parlais des différents éditeurs. Oui, c'était sur la Voilà, présentation. bah, c'est ça en fait. Il y a des éditeurs qui sont spécialisés en localisation qui le font mieux que nous. Moi, je voulais pas mourir idiot et je voulais qu'on essaye et qu'on en fasse. Comme un jour, probablement, si ça me prend, je ferai du financement participatif Ah pour voir ce oui, que ça ok. donne. Mais ouais, sur un projet qui me fait kiffer, quoi. Voilà.
si j'arrive à convaincre, à vous convaincre en fait, parce que maintenant, un des changements de cette année pour faire une transition, c'est que même si c'est moi le boss chez Blue Cocker, je fais plus ce que je veux. Je suis obligé de tenir compte de vos avis. Donc je vous écoute, vous dites des conneries et des fois c'est des conneries à peu près viables, donc on fait comme vous dites. Tu devrais chialer. Mais oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie sûrement, c'est ça. Pourquoi tu fais cette année particulier? Parce que ça s'est fait graduellement. Bon, je le faisais quand même un peu. C'est-à-dire, j'écoutais ce que me disait tout le monde. Vous êtes tous encouragés à exprimer vos avis, mais jusqu'à assez récemment, je les écoutais et je prenais une décision. Et maintenant, je ne vais pas prendre une décision si vous êtes tous contre ou tout ça. Donc, même si moi, je ne suis pas du tout d'accord, si vous êtes tous pour, on va le faire quand même. Okay. Tu vois, par exemple. Alors qu'avant, ça allait bien me faire chier, quoi. Tu vois, c'était. Mais je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Et ouais, j'ai été détrôné, ma femme. C'est terrible. C'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est aussi, par exemple, quand on choisit un nouveau projet, on choisit aussi le chef de projet. Et avant, c'était plutôt on choisissait un projet. Et c'est pas que je désignais, mais je disais, selon les plannings, selon les trucs, selon tout un tas de facteurs, c'est plutôt toi qui seras chef de projet ou toi. Et en fait, non. Maintenant, je veux que quand on décide un projet, il y a un chef de projet qui se manifeste et qui dit ouais, je veux faire ça. Tu vois, qu'ils soient à fond dessus. Que quoi. Ça vienne des employés. Je vais faire ça, d'accord, ok, parce que c'est mon taf. Tu vois, que ça ne veut pas dire qu'ils vont moins bien le faire, mais en fait, si, parce que y a forcément, si tu as un enthousiasme pour un projet, remarque, non, tu le feras pas forcément mieux, mais tu le feras en tout cas avec plus de plaisir et plus d'efficience, si ce n'est d'efficacité. Alors, il y a un truc, c'est marrant parce qu'il y a Mad Totoro qui dit démocratie et il y a un petit peu, c'est de la démocratie participative en plus chez Blue Cocker, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que, oui, effectivement. on a tendance à un petit peu aboyer aussi, et ce qui fait que Alain nous écoute, mais tout le monde donne son avis, et quand quelqu'un il mord ouais, pas. Non, on essaye de pas mordre, on discute avant de mordre, mais à part le dernier chef de projet qui lui mordit beaucoup, c'est surtout les câbles en fait, donc les câbles et les chaussures. Donnez pas trop d'indices. Ouais. mais donc pour le coup, il y a un truc, un effet qui est assez sympathique, mais qu'il faut quand même réussir à. Enfin, il faut dealer avec dans un premier temps quand on n'a pas l'habitude. C'est que quand on est chef de projet chez Blue Cocker ou quand on n'est pas chef de projet chez Blue Cocker, on va de toute façon voir les autres participer à notre projet et participer au projet des autres. Et en fait, c'est assez chouette. Ça peut être un peu déstabilisant parce que du coup, on peut aussi avoir l'impression d'être tout le temps avec beaucoup d'avis à prendre en compte. Et quand on est chef de projet, on doit prendre des décisions et faire des choix et aller prendre des directions. Et quand on a beaucoup d'éléments et des éléments qui ne sont pas forcément des éléments qu'on a sollicités, ça peut être un peu perturbant dans un premier temps. Mais en fait, c'est une richesse. Et ce qui est chouette, c'est qu'on est tous un peu ressources les uns des autres. Et voilà, donc, par exemple, la semaine dernière, on était en rendez-vous chez notre distributeur BlackRock Games, qui se trouve dans le Massif Central. On en a profité pour se retrouver parce que géographiquement, on est assez éloignés les uns des autres. Moi, je suis dans l'Eure-et-Loire. Vianney, lui, il est carrément dans d'autres pays parce qu'il est en Bretagne. Alain, il est je suis dans le même. Voilà, c'est ça, avec Adeline. Moi, je suis en France.
Et Alain, il est, Alain, il est en France, c'est-à-dire à l'endroit où il faut être, à Toulouse, enfin d'après les Toulousains. Voilà. C'est, la France, ça se situe entre, Perpignan et Montauban. C'est ça, c'est ça, ouais. Ouais, 20 km au-dessus de Toulouse, c'est le Grand Nord, quoi. Il faut commencer à mettre des écharpes et des moufles. Ouais. Benoît, il est aussi, il fait encore partie des gens qui sont considérés par, comme des Français par, par les Toulousains, même si bon, ça commence plus trop à être ça. Et puis il y a Natacha aussi que vous voyez beaucoup moins parce que lui c'est la Benoît, la France, c'est la, voilà, c'est ça. Et puis il y a Natacha que vous ne voyez pas dans les lives, mais qui est pourtant très présente dans le quotidien de Blue Cocker, ouais. Parce que elle gère beaucoup de choses, notamment les événements. Elle organise toutes les venues de Blue Cocker sur les événements que sont par exemple Cannes ou Essen. Donc c'est quand même un gros boulot. Et puis elle est aussi là pour assurer l'animation. Donc vous la voyez si vous allez sur les festivals où on est présent, et au-delà de ça, elle s'occupe aussi d'une partie des tâches administratives de la boîte, ce qui est quand même pas le plus funky, mais voilà, elle le fait super bien, quoi. Mais qu'elle fait avec une grande efficacité et surtout avec une rigueur que je ne possède absolument pas. Donc, mais toujours est-il qu'on s'est vu la semaine dernière, donc il y avait alors toute l'équipe n'était pas là, mais il y avait donc Alain. Le nouveau développeur filles, en fait, qui est arrivé cette année. Et il manquait les femmes, effectivement, mais ce n'était pas une volonté. c'est plus une histoire de disponibilité calendaire qui faisait que c'était compliqué pour Adeline et Natacha d'être avec nous. Mais toujours est-il que chacun, on a présenté aux autres les jeux qu'on développe en ce moment. Et en fait, tout le monde amène son grain de sel et tout. Et c'est vraiment super chouette et super riche. Et voilà, ça tire quand même aussi de. Oui, c'est ce que je voulais. Parfois, c'est ce que je voulais dire, c'est le fait que c'est plus moi qui décide de tout. C'était pas pour remplacer un chef par quatre petits chefs, en fait. Ouais. C'était justement pour qu'il y ait, comme tu le dis, en fait, que gérer un projet, ça veut dire que il faut quand même à la fin qu'il y ait des décisions qui soient prises, mais tu dois prendre en compte les avis et les contributions des autres, que ce soit les auteurs, les illustrateurs avec qui on travaille, mais aussi les membres de l'équipe. Et surtout, ça te, en tout cas, le but, c'était que ça nous force à consolider nos choix. C'est-à-dire que quand tu prends une décision tout seul, ce qui m'est arrivé pendant de nombreuses années, souvent, tu es assez d'accord avec toi-même. Hein. C'est beau mieux, en tout cas. Et tandis que là, tu peux être d'accord avec toi-même, mais il faudrait que les autres soient un peu d'accord, donc ça va te forcer à l'exprimer, à avoir des arguments, et des fois, ne serait-ce que de l'exprimer et de prendre des arguments, tu te dis, en fait, c'est pas si génial que ça, cette décision, parce que tu l'as travaillé un peu plus, tu l'as poussé, et donc, j'espère en tout cas que ça nous pousse à faire du meilleur job. J'espère que vous voyez ça comme ça aussi, sinon c'est pas grave, en fait, ça veut dire qu'il faudra qu'on change nos process, nos choses, parce que là aussi j'ai pas la vérité infuse, et donc j'espère que Blue Cocker sera quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Là c'est pareil, on essaye des manières de travailler un peu différentes, mais il faut pas qu'elles soient figées non plus. Il faut qu'elle s'adapte à la réalité, à la vie, à la société et aux gens qui composent cette entreprise. Petite remarque sur Caral, parce que c'est vrai qu'on peut l'appeler. Merci, merci. Oh, c'est bon. Petite remarque sur Caral. Ouais, je l'ai travaillé avant devant mon miroir. Je sais pas si vous voyez, mais sous nos guirlandes, là, il y a la cover de la... Pardon, la phase de la boîte, la couverture. Merci, ouais, tout simplement, la langue que je parle normalement, quoi. Le français, le français du Grand Nord. Oui, du Grand Nord, voilà. Teinté de viking, tout ça. Mais en tout cas, qui n'est pas une langue, tout va bien, moi, c'est génial, il est tard. Allez, c'est le dernier jeu édité par Blue Cocker avec le logo, l'ancien logo Blue Cocker. Voilà, ouais. Donc, virage historique. Vous voyez l'ancien logo sur la boîte. Et vous voyez le nouveau... voilà, gros virage gauche. Historique important quand même. Pourquoi on a changé de logo? Parce que l'autre était un peu daté quand même.
Et aussi, il y avait des inconvénients. Il était beaucoup plus travaillé, beaucoup moins épuré. Et donc, pour tout ce qui est impression sur plein de choses, c'était plus pénible. Là, il a un petit coup de neuf tout en restant dans l'esprit, je trouve. De toute façon, je vais garder l'ancien, notamment sur ma voiture, sur plein de choses, parce que voilà, j'aime bien. Mais la communication officielle, c'est ce nouveau logo. Et même un autre, très bientôt. Mais oui, est-ce qu'on en parle ? Voilà. On va en parler, mais c'est pas moi qui vais en parler, c'est le chef de projet du premier jeu qui va en parler. Mais on je ne sais pas si... On parle par énigme. Je crois que Vianney ne m'entend pas, de ce que j'ai compris. Donc, ah oui, alors là, je crois comprendre qu'Adeline est en train de parler, parce que j'entends un vague écho. Mais oui, je n'entends pas Adeline. Ah. Alors ça, je ne sais pas comment le régler par contre. Est-ce que tu m'entends moi correctement et Alain correctement? Moi, j'entends aussi tout le monde nickel, sauf Adeline. Ah ouais, alors là, c'est et un c'est vrai pas parce qu'elle a une voix qui ne porte pas, je pense. Non, parce qu'en plus, moi, je l'entends très bien, Adeline. Donc, voilà. Mais je peux quitter et revenir. Et je ne l'entends pas. Ouais, c'est triste. Tu peux quitter et revenir. Oui, ça m'ennuie beaucoup. C'est pour ça que... Je sais pas si quitter et revenir, ça je fera sais pas non chose. Plus. J'essaye, enfin, vous pouvez tous les deux quitter et revenir et voir, hein, mais. Ouais, alors bon, après. Alors c'est fait. Donc... Voilà, elle l'a fait. Elle l'a fait. On va voir à quel point ça met le brin dans mon dans OBS, quoi. Mais voilà. Potentiellement, toutes mes sources sont à la poubelle là, mais let's go. C'est comme ça, c'est les joies du live. Hein. Ah bah Adeline. Adeline est un... Je la vois. Ah, let's go. Formidable. Nickel. Et puis, en plus, t'es revenu et ça m'a rien bougé dans OBS. Et bon, je décidément, c'est beau. Ouais, ben, voilà. Vidéo Ninja, c'est vraiment très cool et très pratique, quoi. Est-ce que... Donc, la question était, est-ce qu'on parle de ce nouveau projet et de cette nouvelle entité, le Blue Cocker, ou cette nouvelle... Je sais pas comment mais ça s'appelle, moi, de ça... donc... Moi, c'est une marque commerciale, tout comme. Une marque, ok. Avant de parler ça, je voudrais dire aux quelques gens qui sont dans le chat que, dans le même esprit, en fait, n'hésitez surtout pas à nous interrompre pour poser des questions sur n'importe quel sujet, parce que nous, on va parler d'un peu tout et rien. Oui, et, on l'a pas dit. Si vous avez des questions précises, c'est quand même vachement mieux d'y répondre. Voilà pour mon petit aparté. Donc oui, on peut peut-être parler... Du coup, il y a quelqu'un qui a dit stop, Ce t'arrêtes. Barbu... Voilà. Et il va poser une question, je pense. Ah, nickel. Ben, voilà. Ah. Ah, ben, Totoro, c'est un essai réussi. Bravo. Ah ben c'est vrai. Voilà, je m'arrête. Je parle à plus. À toi, Vianney. Et c'est un exploit pour moi. Putain. Et du coup, on doit changer la parole à chaque fois. Putain, il y a une idée de proto. Alors juste, si je m'insère rapidement, on était sur le bilan 2023. Oh, merde. Bilan 2023, peut-être qu'on y reviendra, mais on vient de faire une sortie de route, on est sur les projets 2024. Mais ceci dit, voilà, on verra. Moi, je pense qu'on peut se lancer sur les projets 2024. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur 2023, posez-nous des questions dans le chat, on vous y répondra. Mais let's go. Pardon. Merci Xavier. Ouais, à toi, Vianney. Ouais, voilà. Moi, je pensais qu'on allait dire qu'on avait joué à des bons jeux en 2023 qui n'étaient pas forcément des jeux Blue Cocker et tout. Ah, mais aussi, on peut faire ça, ouais. Aussi. Mais on en parlera. En vrai, on s'en fout. Tout le monde a joué à Dorf Romantique. C'est le jeu. Non. 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 Il n'y a que toi, en fait. Et je sais. Je fais exprès. Ouais, chez Blue Cocker, ouais. Je pense pas que même Benoît. C'est pas... Ah, c'est si, pas Benoît, il y avait joué, non? Oui, il a joué, mais il n'a pas fait la campagne. Il a joué une partie comme ça, je crois, en décroché. Mais c'est pas que j'ai pas envie d'y jouer, c'est juste que j'ai pas encore eu l'occasion. Pour de vrai. Oui, c'est ça. Pour dire plus, honnêtement. Comme ça sert vraiment à rien de jouer en one shot, autant attendre l'occasion d'en faire plusieurs. C'est ce que j'ai cru comprendre, ouais. Bon, alors, Vianney, qui es-tu? Que fais-tu dans Blue Cocker? Eh bien, moi. Pourquoi existes-tu dans ce alors monde? Alors, moi, je suis un nouveau petit chien. j'ai rejoint le chenil parce que ça sentait bon et il y avait des croquettes. Et que, du coup, j'aime bien que les caresses que vous me faites tous les jours. Wow! la métaphore devient tendancieuse. Beaucoup d'informations. Ouais, tu t'es fait toiletter récemment, non? Non, donc du coup, plus sérieusement, moi je suis chef de projet sur un projet qui
est presque, on pourrait dire, une arlésienne chez Blue Cocker, parce que ça fait de nombreuses années que c'est dans les tuyaux. Je suis j'espère, le dernier chef de projet qui travaillera dessus. ça en prend la bonne direction. Donc, voilà. L'idée, c'est que c'est un jeu du coup, d'enquête qui a été fait par David Simian et Pierre Veuil, qui a été signé il y a quelques années par Blue Cocker. Oui. Et plein de choses sont venues mettre des bâtons dans les roues du développement. Exactement, moi. Que ce soit le Covid, évidemment, comme des vraies problématiques de développement, parce que c'est un jeu qui n'est pas forcément standard dans l'édition, ne serait-ce que par certains aspects dont on reviendra plus tard dessus, mais le fait que le jeu ait des photographies à l'intérieur, ça pose plein de problèmes, plein de questions, plus que des problèmes, sur la manière de réaliser un jeu comme ça quand on est un éditeur de jeux de société qui, normalement, se contente d'avoir des illustrations. Ça change totalement le process et du coup ça pose plein de questions qui sont pas les mêmes. Donc forcément ça a pris beaucoup plus de temps. Donc moi je suis arrivé après que tout ça soit déjà bien avancé et j'essaye d'emmener le projet au bout et qu'on arrive à le sortir l'année prochaine. On touche du bois, c'est ce qu'on essaye de faire et on va tout faire pour. Est-ce qu'il y a déjà une date de... Et comment il s'appelle maintenant ? Alors, dans l'ordre... la date de prévu, non. La période, on est plutôt sur une fin de troisième trimestre, début du quatrième. Donc septembre, octobre, dans ces eaux-là. Moi, j'aime pas trop être précis sur les dates de sortie, parce que quand j'étais ludicaire avant et qu'on me donnait des dates et qu'on était un éditeur, c'était jamais bon. C'est ça, nous. C'est... Bon, c'est pas vrai. Non, mais... Bon, période de sortie, on va dire deuxième semestre 2024, comme ça je suis large. Ah oui, ok. et le titre qui n'est pas figé, évidemment, parce que les choses peuvent toujours changer, et Alain aime bien le répéter, chez Blue Cocker, on change les titres jusqu'à la dernière minute. En attendant, le titre, pour le moment, de travail... Il a encore changé cet après-midi. Oui. Alors, c'est vrai. La discussion a eu lieu, en tout cas, pour le changer ou le modifier cet après-midi. Ah, c'était pas... Ouais, enfin, c'est intéressant, on peut parler de ces coulisses-là, parce que c'est intéressant. On pourra y aller. Pour l'instant, le nom de travail, c'est Cliché Criminel. Cliché avec un S et Criminel avec un S. Et la discussion de cet après-midi, pour arrêter la private joke, c'était qu'on se posait la question du titre au singulier ou au pluriel, en fait, tout simplement. C'est une question qui paraît anecdotique, mais qui, en fait, a vachement de sens sur qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on projette quand on l'a au singulier, et qu'est-ce qu'on... Et même question, mais quand on l'a au pluriel. Et du coup, de se poser juste la question et de voir si on est au singulier ou au pluriel. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on serait plus sûr du pluriel, mais pareil, là, enlever deux S ou en rajouter, ça, ce sera aussi à force d'en parler avec des gens et de prendre des retours. Ouais. Pardon, cliché au singulier, ça fait plus penser au préjugé, un peu, enfin, au cliché que tu dis. Exactement. Sur quelqu'un, tu vois, non ? Ouais, c'est ce qui fait, justement, ça fait... C'était ça, la discussion. Bah, c'est un des éléments de la discussion, après, voilà, c'est... On se disait qu'en mettant le cliché au pluriel, on insistait probablement plus sur les photos que sur la sémantique cliché, comme un... Je sais pas comment trouver un synonyme de ce mot-là, mais une idée convenue, quoi. Oui, c'est ça. Et pour finir sur la petite anecdote, chose rare, Benoît et moi en étaient d'accord. Ce qui n'arrive pas si souvent. Donc bon. Ok. Et alors, est-ce que tu travailles sur d'autres projets, Vianney? Alors, bah, moi, comme disait comme disait Xavier tout à l'heure, on a l'avantage chez Blue Cocker de. Je pense de se tolérer quand les gens viennent mettre les pattes dans nos projets. Et du coup, je participe activement, avec les compétences que j'estime avoir, à essayer de faire en sorte que chaque projet porté par les uns et les autres puisse être le meilleur possible. Donc, j'ai essayé d'aider un peu Xavier sur certains aspects de son projet, d'aider Alain sur certains aspects de son projet aussi. Quand je suis arrivé au tout début de l'année, en février, j'ai essayé de relire un peu les règles des jeux qui allaient partir en prod pour juste amener des choses et essayer d'amener ce que je pouvais faire, mais la grande majorité de mon temps, je la passe à développer Cliché Criminel et à aussi passer pas mal de temps à faire un peu de sourcing, quand même. À regarder le sourcing, c'est les propositions que nous font les auteurs et autrices de jeux
de prototypes et d'étudier ces propositions-là pour voir s'il y a des propositions qui peuvent nous intéresser pour aller jusqu'à l'édition ou pas. C'est toi qui es contacté pour ces questions-là ? Non, c'est Blue Cocker qui est contacté. Alors ça peut arriver qu'on me contacte moi, mais c'est très rare. Hein. C'est Blue Cocker, la société qui est contactée. Après, c'est plus vers moi que les mails sont redirigés, c'est plus moi qui m'occupe de... On va dire faire ce que moi j'appellerais le premier filtre, c'est-à-dire que les projets qui paraissent assez peu intéressants, on n'aille pas jusqu'à en discuter tous ensemble et que je me dis non, ça franchement ça le fera pas, aucun de nous voudra porter ce projet-là et c'est pas chez nous que ça peut se faire. Ça c'est mon rôle, plus de prévenir les gens que bah, c'est mieux qu'ils aillent chercher un autre éditeur qui serait plus adapté que nous et que nous on croira pas dans ce projet-là. Et ensuite après que ceux sur lesquels je peux émettre un doute ou avoir des questions, ou me dire tiens c'est quand même intéressant, il y a des choses chouettes dans ce projet, là de les amener aux autres chefs de projet pour voir si eux ça leur cause ou pas, parce qu'évidemment il y a aussi beaucoup de subjectivité là-dedans et d'affect, il y a des types de jeux qu'on apprécie moins, et du coup il y a des choses sur lesquelles on va très vite se projeter soi-même et d'autres pas. Je peux prendre juste par exemple l'exemple des jeux abstraits, qui est très parlant je trouve. Donc les jeux abstraits, c'est la famille des échecs et des dames. C'est un type de jeu qui, par exemple, moi, me parle pas du tout. Je sais pas que je trouve ça mauvais, c'est que c'est un truc qui m'extasie pas, à l'inverse de Benoît, qui est absolument fan de ce type de jeu et qui trouve ça génial. Donc si je vois un jeu abstrait sur lequel je me pose des questions, je me dis, c'est marrant, il y a des choses intéressantes, je vais pas le striker sous prétexte que ça me parle pas. Ouais, je vais me dire, okay. Bah tiens, je vais le montrer à Benoît, en fait. Parce que Benoît, lui, va peut-être mieux voir les choses que moi, comme c'est vraiment un type de jeu qu'il affectionne particulièrement. Quoi. Et c'était d'ailleurs une des raisons aussi qui justifie d'avoir plusieurs chefs de projet et d'avoir des personnalités différentes. C'est que justement, on va pouvoir éditer des jeux... Au tout début de Blue Cocker, en gros, on éditait les jeux qui me faisaient kiffer, quoi. Mais d'abord, c'est assez limité. Hein, je suis très élitiste, n'est-ce pas, dans le choix de mes jeux. Y a aussi des jeux que je sentais bons, mais auxquels... bon, intrinsèquement, je veux dire. Mais auxquels, moi, je sentais que j'allais pas en tirer le meilleur, quoi. Alors que d'autres personnalités, par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais le jeu dont s'occupe Xavier, bah allons-y. Eh ben, c'est très bien que ce soit Xavier qui s'en occupe. Sans transition. On va peut-être rester un peu sur Clichés Criminels, parce que je voulais parler effectivement, même si j'en ai déjà parlé beaucoup. Je montre une petite image, d'accord, attention les gens. Je vais montrer une image, voilà. C'est photoréaliste. Alors, au-delà d'être photoréaliste, c'est des vraies photos de vrais gens. Donc, ce n'est pas photoréaliste, c'est une photo de la réalité, mais une réalité jouée, fictionnée, bien évidemment, avec des gens qui sont maquillés. Mais l'image que je vais vous montrer est gore. Tu pourras demander à Florian. Oui. Il ne va pas très bien depuis. C'est dans le... C'est une scène de crime. C'est des faux. Tu sais quelle image je vais montrer, Vianney, du coup ? Non, mais je pariais sur Florian. Tu te doutes un petit peu. Bah oui, parce que les gens vont le reconnaître. Du coup, il y a un côté peut-être un peu moins choquant, a priori. Ouais, Florian dans la baignoire, Mafalda, exactement, c'est celle-ci. Mais c'est aussi pour éviter d'en dévoiler trop, parce qu'on vous en avait déjà montré lors d'un live précédent. Donc, c'est un peu pour vous remontrer... des choses, mais c'est des photos du making-of que tu as fait. Là, c'est le making-of. C'est des photos. Ça, c'est une photo de l'enquête. Ça, c'est l'enquête, ouais. Ah oui. Non, on avait montré des photos du making-of pour un petit peu dédramatiser la dernière fois. Là, je vais juste montrer celle-là. C'est une photo de l'enquête. C'est du teasing. Je suis chargé de communication. Mais je t'ai mis des photos du making-of, j'ai mis une photo du making-of de Cindy pour qu'on puisse peut-être un peu mieux voir. Ah, t'as mis des images travail, dans le fichier que je vous ai dans le dossier que je vous ai partagé cet après-midi. Bravo. Ouais, tu vois, j'ai bossé quand tu m'as demandé de le faire. Ah bah merde, alors. J'ai fait. Ah bah c'est beau. Ouais. Merci. Et parce que je voulais qu'on parle aussi un peu de plusieurs choses. Effectivement, comme Vianney l'a dit, on n'aura pas d'illustrateur, on va avoir un graphiste qui va bosser sur la boîte et sur divers éléments du jeu. Mais on a une photographe et une maquilleuse qui ont bossé.
Et il y a une des photos où on la voit sur le scénar de démo en train de faire son boulot. Et ben, je voulais un peu la mettre en avant parce que. Bah ouais, tu fais bien. Parce qu'autant la photographe sera mise en avant bah, par les photos oui. qu'elle a fait, autant le travail de maquillage, c'était quand même un gros boulot. Donc voilà. Je vous montre ça tout de suite. Non, on a fait appel à des photographes. Et des maquilleurs, enfin une maquilleuse qui ici a fait du maquillage de film aussi un peu, mais pas spécialiste du milieu policier, on va dire, spécialiste, ben voilà, c'est une photographe qui a fait des projets photographiques un peu variés, et une maquilleuse aussi, bon, elles sont toutes les deux toulousaines. Parce qu'on voulait, des Françaises. Vu qu'on a fait les shootings dans la région toulousaine, ben on voulait qu'ils soient, voilà, on voulait pas payer non plus des milliers d'euros de transport, et en fait elles ont bien bossé. Donc là on voit le maquillage d'une, enfin du scénar de démo. Et on la voit bosser avec un masque parce que c'était pas le chat. Nous entendez-vous encore? Ouais, parce que maintenant qu'on a changé de scène sous OBS, merci Amandine. Oui, bon, très bien. Top. Donc voilà, et puis c'était aussi très intéressant de bosser avec photographe et maquilleuse bah, parce que c'est une autre manière de bosser, c'est aussi. Enfin, c'est très différent de ce qu'on fait habituellement, mais ça, c'était très intéressant. Et la deuxième chose que je voulais dire sur Cliché Criminel, que j'ai déjà dit à quelques reprises, c'est que ça va pas être un jeu Blue Cocker, ça va être un jeu d'une nouvelle marque commerciale qui s'appelle Black Squirrel et qui est censée faire des jeux pour un public plus adulte. Parce qu'effectivement, on voit bien, là, par la thématique, qu'on ne va pas jouer à Cliché Criminel en famille avec son petit dernier de 5 ans. Il risquerait d'être trop mal un peu. Donc, alors ça ne veut pas dire que toutes les thématiques seront hyper dures ou comme ça, mais ça veut juste dire qu'on s'adresse à un public particulier avec ses codes. Donc on ne s'interdit pas, je ne sais pas moi, je vais dire n'importe quoi. Voilà aussi, tu vois, finalement, il va bien. Il sourit encore. Non mais c'était avant. Ils se oui. rendent compte qu'ils s'étaient fait trancher la gorge. Là, quand même. Effet spécial nul. Grave. Voilà. Ah ben. Ou alors, c'est comme les... Vous voyez, ça va lui plaire, je vais dire ça. C'est comme les poulets qui continuent à marcher quand ils ont la tête rougée. Flo, c'est enfin là, c'est un poulet qui est sorti d'une nuit noire, quand même. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà ce qu'on a à dire pour le moment sur Cliché Criminel. On va beaucoup communiquer l'année prochaine, mais et vous aurez notamment un des axes qu'on a pensé avec Vianney, c'est d'avoir au moins un scénar de démo pour que vous ayez vu que c'est forcément des enquêtes one shot. Hein, je vais t'embêter, mais on parlera d'un scénario de découverte. D'un scénario de découverte, oui, démo, c'est moi qui. Mais c'est vrai, c'est un scénario de découverte parce que c'est pas une démo dans le sens. C'est pas une démo technique. Bah, tiens, voilà, c'est pas pour vous dire comment ça marche, c'est un vrai scénario. En fait, quand vous achèterez la boîte, il y aura 3 scénarios dedans. Mais en vrai, il y en aura 4 parce qu'on vous aura offert le scénar de démo avant ou au moment où vous achetez la boîte. Donc voilà. Tant qu'on en parle, il aurait pu être dans la boîte. Quoi. Tant qu'on en parle, on peut même dire que ça a été. Enfin, moi perso, en tant que chef de projet, ça a été dur pour moi de ne pas le mettre dans la boîte, ce scénario-là. Parce que je l'aime beaucoup. Tout à fait. Je lui trouve énormément de qualité en termes de scénario. Et bah, en réfléchissant de près, en me creusant les méninges sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de scénario de découverte. Et je me suis dit, bah, un peu à contre-cœur, je me suis dit, en fait, en vrai, ça fait un super scénar de découverte, ce scénario-là. C'est vraiment un scénario qui, à la base, quand moi j'ai pris le projet, et même pendant plusieurs mois après que j'ai pris le projet, était un scénario qui était censé arriver dans la boîte définitive. Donc, je trouve qu'on... Et là, on l'obtiendra comment? J'ai pas compris.
Eh ben, il va être distribué. Alors, pour l'instant, les modalités, on ne les connaît pas encore exactement. Il va falloir déjà qu'on y réfléchisse, qu'on fasse précisément le plan de com avec Xavier, Alain et moi. Et évidemment, toute l'équipe, parce qu'en fait, tout le monde est inclus. Voilà. Mais, je veux dire, voilà. Les principales personnes qui vont s'en occuper, c'est nous trois. L'idée, c'est qu'on va imprimer un nombre de scénarios de découverte suffisant pour pouvoir se permettre de les offrir aux gens pour qu'ils essayent. Sur la même démarche que ce qui se fait habituellement dans le jeu de société pour plein de raisons, soit avec les échantillons type ce que Cocktail Games avait fait avec Top 10, le jeu d'Aurélien Picolet, quand il était sorti, ce qu'avait fait aussi Studio H avec Suspect, jeu de... Aidez-nous dans le chat. Allez, Montiage, c'est le moment de le dire. Guillaume Montiage. Voilà. Ah ouais, c'est pas impossible que ce soit Guillaume Montiage. Voilà. Suspect qui, du coup, avait eu un premier scénario de démonstration qui, pareil, avait été offert aux boutiques pour qu'elles puissent le distribuer gratuitement à des clients. Après, je sais pas comment ça avait été distribué ailleurs, mais voilà. Et ça, en fait, c'est un schéma que nous, on trouve assez chouette pour éprouver une mécanique, éprouver une sensation et connaître l'endroit où ça va. Sachant que je pense qu'il y a des jeux où c'est pas possible de faire ça parce qu'il y a trop de matériel et que ça coûte beaucoup trop cher. Il y a des jeux où c'est possible de le faire. Là, ça a l'air d'être possible de le faire. Ça a un coût, mais c'est un coût qu'on est prêt à payer pour faire de la communication finalement et communiquer correctement sur le jeu. Ok. Dans la boîte, oui, c'est envisageable en ligne comme tout jeu d'enquête. Tu peux le faire en visio. À condition d'avoir accès au matériel, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui va filmer le matériel et qui, enfin, tu vois, puisse. Moi, j'aime pas jouer aux jeux d'enquête en ligne. Il parle de, ou elle parle de micro-macro. Pour être envisagé en ligne. Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement. Il y a une partie physique au scénario de découverte. Mais il y a aussi une partie. Si la question c'est de jouer online, comme en gros, pas en présentiel, c'est tout à fait faisable avec des ajustements, avec quelqu'un qui filme le matos et machin. C'est quand même bien au préalable, je pense, d'avoir fait des scans et de se les envoyer en PDF parce que sinon ça va être quand même relou. Il y a des scénarios où il y en a beaucoup et avec un seul plan large, pas gérable, donc ça risque d'être un peu pénible. Sans rentrer dans le jeu et dans les détails, il y a des choses à regarder sur les photos et c'est comme micro-macro, il y a peut-être des petits détails parfois qu'il faut aller chercher, donc c'est pas toujours pratique, je pense, avec juste une webcam ou une caméra qui vient se poser au-dessus. Si on est bien équipé, pourquoi pas. Par contre, du point de vue technique avec l'application, ça se fait très bien puisque l'application sera hébergée online et que du coup tout le monde peut en gros faire les mêmes réponses au même moment sur l'application et que ça ne génère absolument aucun problème. Moi, c'est plus la disposition technique. Comment tu fais pour faire en sorte que tout le monde voit tout bien? Ça demande de d'abord numériser les éléments du jeu. Alors, on vient de vous dire qu'il y a une application. Ça ne veut pas dire que vous allez jouer avec pendant la résolution de l'enquête. C'était pas du tout ça la question. C'est une application. On est complètement à côté de la plaque. La question, c'est est-ce que l'enquête sera jouable en ligne totalement, comme ce qui avait été fait. Alors apparemment pour Micro Macro, oui, c'est vrai, je l'avais fait. Je savais pas pour Flashback, mais moi je me rappelle aussi de Undo qui avait fait ça. C'est vrai que ça c'est cool. On n'y a pas réfléchi, mais ça faisait partie des idées que j'avais. Pas évident. Alors, pour une raison toute bête, et de toute façon, ce sera à rediscuter ensemble, mais pour une raison toute bête, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit faisable, dans la mesure où ce qu'on a envie de mettre en avant avec Clichés Criminels, c'est le fait que c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Et vraiment avec l'idée que c'est un jeu de brainstorming. Ce que généraient les scénarios de démonstration de ces jeux-là en ligne, c'est que tu y jouais quasi tout le temps tout seul, en fait, pour éprouver la mécanique, et juste pour voir le principe. J'ai peur que si on fasse ça, les gens ne se rendent pas compte de ce que génèrent les sensations de clichés criminels. Mais voilà, on verra pour la suite. Question technique. Et sinon, juste question technique, Alain, avant que tu reprennes. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a le son de Twitch qui n'est pas mute? Je peux l'avoir. C'est vrai que j'entends un écho, ouais. Je peux le démuter. Voilà. Ben, je pense que tu viens de le faire, Alain.
Ouais. Non, je m'entends encore en mute, en écho lointain. Bon, c'est pas grave, du moment que le chat n'entend pas trop, ça va le faire. Enfin, que le chat, les gens, quoi. Ok, ok, ça marche. Je m'entends plus là, donc c'est peut-être ailleurs. Très bien. Bah, désolé de vous avoir coupé. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a dit qu'il y avait une application, et c'est une application de résolution. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez bossé sur l'enquête, réfléchi, tout ça, et que vous pensez que vous avez une solution, vous allez utiliser l'application pour résoudre. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de rester en immersion lors de la résolution. C'est-à-dire que c'est pas comme dans Sherlock Holmes Detective Conseil où quand tu vas aux questions, ben c'est fini le jeu en fait. Là, tu vas pouvoir commencer la résolution et si tu as un doute, revenir au jeu. Et voilà, on va pas te spoiler pendant la résolution. En plus, ce sera en audio, donc ben, ça restera assez immersif. Et en plus, ça permet de générer aussi un système d'indices. Parce qu'il faut savoir, j'avais lu plus haut dans le chat que, oui, ben, dans la boîte, tu adores les jeux d'enquête. Donc, ben, ce n'est pas un truc pour les experts de jeux d'enquête. C'est au contraire... pour initier dans les jeux d'enquête. Les enquêtes ne sont pas tu vois, d'une complexité, d'un truc fou. D'abord, ça se joue en moins d'une heure. Et c'est... voilà, il n'y a pas... on n'est pas Sherlock Holmes, quoi. On est des gens dans la vraie vie avec des vrais cas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des photos. C'est-à-dire que ça pourrait arriver demain dans la vie, ce type d'enquête. Donc voilà. On n'espère pas pour Florian, effectivement. Mais oui, on parle actuellement de clichés criminels. Tu fais bien de le préciser parce que ça fait un moment qu'on en parle et que peut-être les gens qui arrivent ne savent pas. C'était pour le dire discrètement sans t'interrompre du coup, mais tant pis. Ben voilà. ce que je voulais finir de dire là-dessus, c'est que donc c'est un jeu immersif grâce aux photos et on a voulu que l'appli garde cette immersion et permette quand même de gérer les différences de niveau. Justement, des gens qui sont hyper habitués aux jeux d'enquête vont probablement pas avoir besoin d'indices. Par contre, tu peux faire jouer n'importe qui. Ta grand-mère qui... oui, je vois tout. Celui-là, il y a... des gens qui n'ont jamais fait un jeu d'enquête, qui n'en sont même pas fans de séries ou de polars ou tout ça, vont pouvoir se débrouiller, quoi. Grâce justement... oui, je commente même les commentaires où on dit qu'ils commentent tout. Vont pouvoir s'en sortir et donc c'est vraiment tout public en termes d'accessibilité et de mécanisme et tout ça. Par contre, ça s'adresse effectivement à des adultes parce que ben, la thématique elle est quand même adulte, quoi. Voilà ce que je voulais en dire. Ok, très bien. Est-ce qu'on parle des autres projets voilà. de 2024 ? On va peut-être passer à un autre sujet. Je pense qu'on a perdu Adeline ou... Non, elle est là, non, je l'entends, nickel. En fait, il y a que toi qui as perdu des gens. Ah oui, Adeline, elle parle, mais moi, je ne l'entends pas, donc il faut que... je la vois pas, je ne l'entends pas, c'est ce qui est arrivé tout à l'heure, Vianney. Donc, il ne faut pas du tout que tu te vexes si je fais du mansplaining, Adeline. J'en fais pas parce que je ne t'entends pas. D'accord. Voilà. Par exemple, elle m'a répondu. Ouais, t'as répondu, elle a dit d'accord. Et du coup, comme elle le proposait, on va peut-être passer à un autre projet de l'année 2024. Je te répète, c'est génial. Hein. Vous kiffez devant votre écran. Hein. Ouais, c'est ouais. Le bon moment. Faudrait qu'Alain parte et revienne parce que sinon, ça va être pénible. Ok. Eh ben ouais, ben, l'autre projet de l'année 2024, est-ce que ce serait pas le tien?
Si, si, justement, Adeline est en train de dire qu'il faudrait peut-être qu'Alain quitte et revienne, parce que s'il ne m'entend jamais, il n'entendra pas mes interventions et ça va être compliqué. Ça marche, je vais faire. Donc oui, comme le disait Alain, Twitch, le futur de... Ouais, bah, carrément, c'est ça, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sur Twitch. Le problème, c'est que les règles sont très fluctuantes, Amandine, c'est que tu as beau écrire un livret de règles, ça change tout le temps et tu sais même pas à quoi t'attendre pour de vrai, quoi. C'est très aléatoire. Donc oui, il y a un autre projet. En fait, il y a trois projets hein, qui verront le jour chez Blue Cocker en 2024. Et comme on aime bien faire les trucs bizarres, on a fait le tiercé dans le désordre. Quoi. Exactement. Mais là, du coup, on va parler du jeu qui sortira en premier l'année prochaine. Alors que chez premier... Criminel, c'est le... On dit pas tout de suite. On dit pas tout de suite. Ah, voilà, on sait pas. Mais en tout cas, celui que je vais vous présenter, qui s'appelle Onyx. Alors, le titre est quasi... Le nom est-il officiel? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Merci, Adeline. Non, non, bah, aucun problème. Tes interventions sont toujours... tu vois, les bienvenues, puisque c'était dans le sens de ma pensée, en plus. Donc, boum, c'était nickel. C'était pertinent, en tout cas, dans mon propos. Oui, le titre, celui-ci, est quasiment gravé dans le marbre. Il pourrait y avoir une toute petite modification éventuelle, puisque pour l'instant, Onyx est orthographié avec un I. Et est-ce que, oui ou non, on l'orthographie avec un Y? A priori, pas. Mais ce sera sûrement avec un I. Alors, pour préciser un petit peu, ce jeu, c'est un petit jeu très léger de cartes. Quand je dis petit jeu, c'est parce qu'il est, il est contenu hein, aussi en taille. C'est, une centaine de cartes dans une petite boîte. Et c'est un jeu qui est très simple à apprendre, très simple à jouer, très simple à présenter à des gens qui ne jouent pas forcément beaucoup au jeu et à partager en famille, entre amis, avec les voisins, les cousins, tout ça, les cousines, bien évidemment. Et c'est un jeu de Benoît Turpin et Florian Siriex, dont il m'échoit la charge de le suivre jusqu'à son édition. Et ce jeu, alors je vais vous montrer une petite image. Ce jeu ne s'appelait pas Onyx à la base. Ce titre a été trouvé par Henri Kermarek, qui en est le graphiste illustrateur. Henri nous a fait pas mal de propositions visuelles. Donc ça va être l'occasion pour moi. Je fais un petit peu de... comment on appelle ça ? Je fais un petit peu de narratif, un petit peu de... Merde, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, peu importe. Alain, t'as gâché ton effet en bas à droite de sa caméra, mais c'est pas grave, on ne la voit pas sur Twitch. De ouf. Je fais un petit peu de storytelling, voilà. Tout en vous présentant un projet, puisque là, vous comprenez que depuis tout à l'heure, vous regardez du publicitaire éditorial, tout ça, machin. Hein. On est des villes éditeurs, donc tout ce qu'on vous dit, c'est pour vous vendre des masses de jeux. Là, je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu qui s'appelait à la base Voxy. Et pourquoi Voxy ? Alors, je vous partage, vous avez la chance d'être dans l'intimité de mes fichiers Adobe. Je vous partage donc ma page. Hop, là. Ouais, c'est ouf. Ça, c'est le visuel du jeu tel que l'a conçu Florian Siriex au moment où il a créé le prototype qu'il a développé avec Benoît Turpin. Donc ça, c'est Florian Siriex, donc pour le renommer à nouveau, le gars qui était mort tout à l'heure et qui va mieux maintenant. Il a fait ce jeu avec Benoît Turpin et lui, donc le jeu, c'est essentiellement ça, hein, c'est des cartes. Et sur ces cartes, vous voyez qu'il y a des symboles, qui sont des formes géométriques. Et ben, en fait, eux, ils avaient trouvé que ces formes, ça pouvait ressembler à des lettres. Et le jeu commençait à s'appeler Voxy, avec le V qui était le triangle avec une pointe vers le bas, etc. Et puis les autres lettres, bon, qui semblent assez évidentes. Ce jeu, il a pour originalité donc, de se jouer pas du tout avec des nombres, pas du tout particulièrement avec les couleurs. Les couleurs, elles sont là pour discriminer plus facilement les formes. Mais ça ne se joue qu'avec des formes, et chaque forme représente un pouvoir. Et chacun de ces pouvoirs va avoir un effet quand on va le jouer, à savoir qu'on va piocher une carte dans des tas centraux et qu'on va appliquer le pouvoir. Et ensuite, on va récupérer 7 ou 6 cartes, parce qu'à chaque fois qu'on prend un symbole, on a le droit de récupérer des cartes de même symbole sur les cartes adjacentes et consécutives, ou consécutivement adjacentes ou connectées. Là, vous êtes aussi dans les coulisses de comment on fait pour expliquer ce truc-là dans les règles, que ce soit clair pour tout le monde. Donc tout ça, c'est beaucoup de questionnements. Et voilà, et ce titre qui était sympa, parce que Voxy, c'est rigolo, ça n'existe pas encore, donc c'est plutôt une bonne chose aussi, quand on trouve un nom de jeu qui n'est pas déjà un jeu. On a abandonné pour des raisons de proximité avec des noms de jeux de collègues éditeurs, avec qui on a discuté, parce que c'est comme ça dans ce milieu, on parle entre nous, et puis on a convenu que oui, peut-être notre nom de jeu était un petit peu trop près du leur, et qu'on ne voulait pas qu'il y ait de confusion qui se crée, etc.
Et on est sur avec un des jeux qui sont déjà sortis ou qui vont sortir. Alors, ouais, bonne question aussi, parce que ça pourrait être ça. Hein. Effectivement, on entend parler de projets des fois, et ça peut arriver qu'on se dise « Ah, toi, tu sors un jeu dans... avec tel thème, tel type de jeu. Genre, je sais pas, tu sors un jeu de course avec la thématique des pirates. Et nous, dans le même temps, on sort un jeu de course dans la thématique des pirates aussi. Même s'il y en a un, ça va rien avoir à voir en termes de mécanique, si ce n'est une idée générale. Bon, bah là, on peut peut-être s'arranger pour pas le sortir en même temps, ou que l'un des deux lâche une mécanique en fonction de comment étaient avancées une illustration en fonction de l'avancement des projets et tout. Ça, c'est des choses qui peuvent s'entendre. Là, il se trouve que c'est des jeux qui sont déjà sortis, mais dont on n'avait pas forcément perçu la proximité dans un premier temps, parce que les jeux sont très différents mécaniquement de ce jeu-là. Donc, il y a ça aussi, il y a un peu cette sensation que tu n'es pas dans la même famille, les gens vont pas forcément confondre, sauf que ça peut être trouvé. Toujours est-il que lorsqu'Henri Karmarek a rejoint le projet, il nous a fait des propositions de visuels que je vais vous montrer tout de suite parce que c'est intéressant aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est intéressant. Je te les ai mises dans le répertoire aussi. Ouais, d'ailleurs, tu vas voir, hop. Elles apparaissent maintenant à l'écran, sur vos écrans. C'est beau. Un indice, pas du tout. Voilà. Ça, ça fait partie des propositions qu'Henri nous a faites. Et après des discussions, hein, c'est pas les tout premiers jets, mais c'est des trucs qu'il nous a proposés. Le travail avec un illustrateur graphiste, c'est on discute de ce qu'on aimerait avoir, et puis d'orientation, de trucs qu'on veut surtout pas, et de trucs qu'on aimerait plutôt, des contraintes qu'on a, matériel, etc., etc. Et puis, ils nous font des propositions. Et parmi ces propositions, vous verrez celles qui ont été retenues, en sachant que ça, c'est un travail de tout début, mais où il y avait le nom Onyx, en fait, qui nous a beaucoup plu. Et voilà. Alors, ça a encore évolué. Hein. J'étais encore en rendez-vous avec Henri cet après-midi. Donc, il y aura des évolutions. Vous verrez à l'issue du jeu comment ce sera. Mais voilà. Moi, c'est mon premier projet chez Blue Cocker. Et c'est mon premier, en tant que chef de projet, c'est mon premier projet de ce type, et c'est vraiment hyper chouette, parce qu'on a beau avoir déjà fait des jeux, on découvre encore des choses. Là, c'est vraiment un jeu qui est destiné au grand public, même si ça ne veut pas dire qu'on exclut grand public, ça veut dire qu'on essaye de le destiner au plus grand nombre, parce qu'on a l'impression qu'il porte cette chose-là dans sa mécanique. Et ben, c'est plein de questionnements, c'est réussir à essayer de se sortir un peu de ces paradigmes de joueurs et tout, donc c'est assez chouette. Ça nous a permis, ce que j'ai envie de le citer, ça nous a permis de travailler aussi avec Thomas Confroy, qui est anciennement de chez Cocktail Games, et qui nous a fait des phases de test, en fait, avec toute son expertise, des phases de test où il va dans les bars, des bars traditionnels, pas forcément des bars à jeux, et où il propose aux gens de jouer au jeu comme ça, sous forme prototypale et tout. Et il recueille un peu les premières impressions. Donc ça aussi, ça fait partie des développements. C'est beaucoup de tests internes, mais c'est aussi des tests avec le public extérieur. Parce que nous, on est vite enfermés. Et externe est fait par quelqu'un, voilà. Est fait par quelqu'un qui n'est pas dans le projet. Et qui donc... voilà. Et donc, bah, ami éditeur, si vous êtes intéressé par cette approche justement extérieure, il a fondé une société qui s'appelle Des Jeux et des Gens, c'est ça ? Si je ne m'abuse. Et donc, il propose ses services. N'hésitez pas à y faire appel, parce que c'est quelqu'un de très compétent et de très sympa aussi. Ah bah oui, il est top. Donc, hein. Voilà. Autant bosser avec des gens bien et cool. Donc voilà, donc le projet, je vous en avais parlé, j'ai un peu survolé, mais pour revenir un petit peu dessus, c'est un jeu qui va jouer de 2 à 6, donc c'est un jeu de cartes. Vous avez vu qu'il y avait des cartes avec des symboles. Ces cartes, on va les mélanger, bien évidemment. On va créer 5 pioches qu'on va disposer un petit peu comme une étoile à 5 branches. Ces pioches, elles vont être toutes faces visibles, et à son tour, on va choisir un symbole parmi tous ceux qu'on voit devant nous. Et puis ensuite, on va prendre toutes les cartes qui comportent ce symbole et qui sont les unes à côté des autres. Donc, ce qui veut dire que parfois, on peut être amené, si le tirage le veut, consécutivement adjacent, connecté, etc., on peut être amené à prendre 5 cartes, on peut être amené juste à prendre une carte ou 2 cartes, peu importe. Ensuite, on va faire le pouvoir d'un de ces symboles. Les pouvoirs, ça va être détruire une carte chez un adversaire, ça peut être piocher une nouvelle carte pour ajouter, parce que quand on va récupérer ces cartes, on va créer des collections. Ça peut être aussi voler une carte chez un adversaire, ou ça peut être marquer, tout simplement, parce que comment on marque des points,
Dès qu'on a réussi à faire une collection de 4 symboles différents, donc dès qu'on pose une carte, on doit mettre cette carte dans une collection qui ne comporte pas encore ce symbole. Et dès qu'on arrive à réunir 4 symboles, hop, ces cartes-là, toutes les cartes de la collection, sont retournées et seront des points à la fin de la partie. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Et le principe de marquer, ben, c'est que là, ça nous donne le droit de prendre une carte parmi la pioche visible et directement la retourner sans être obligé de l'ajouter à une collection. Donc c'est un petit peu, ça queen un peu, ça se tape un peu dessus. Ça queen beaucoup. Ça queen beaucoup, ouais. C'est assez rigolo, c'est un jeu très opportuniste, mais très très simple aussi, très rapide. Et puis c'est un jeu qui est super chouette à deux aussi, comme je trouve que c'est pas si souvent le cas. C'est ça. Il y a un vrai intérêt ludique à deux joueurs et c'est vraiment chouette. Donc voilà, on a très hâte de vous le présenter, de vous le faire découvrir. Et a priori, si tout se passe bien, si on arrive à avancer le boulot correctement, on est à fond dedans en ce moment, vous devriez avoir peut-être les premiers échos de ce genre de... les premiers échos d'Onyx au moment de Cannes, puisqu'on on espère pouvoir commencer à le présenter... en tout cas aux professionnels. Si on arrive à le présenter au public, bon, c'est pas du tout dans les tuyaux pour l'instant, mais si on arrive à le faire, ce serait chouette. En sachant que là, pour le coup, on a une sortie programmée, on peut essayer de prendre un risque, une sortie programmée pour l'Alchimie de Toulouse. Donc, pour tous ceux qui se demandent à quel moment c'est l'Alchimie de Toulouse, une exclue. Je vous invite à aller sur vos moteurs de recherche, taper « Festival Alchimie de Toulouse ». Comme ça, ça leur fera de la fréquentation sur le site et vous connaîtrez la date de sortie d'Onyx. À part la même occasion. Voilà. Et vous découvrirez l'équipe de ce fantastique festival. Et je dis pas ça parce que c'est la nationalité de mon patron. Tu dis pas ça non plus parce que tu as oublié les dates. Alors, je sais parfaitement quelles sont les dates. Et si tu en veux une preuve, je te le fais tout de suite en MP. Mais j'ai vraiment envie que les gens aillent voir. Je m'en fous parce que je peux mentir. Après, je vais dire, oh là là, il le sait pas, il m'a envoyé un MP, il le sait pas. Ouais, mais entre toi et moi, tu vois. Et je voudrais faire un petit aparté sur ce jeu, Adig 35. Merci. C'est moi. Je sais. Mais je voulais faire croire que non. Ok. Pendant que j'en parle, Xavier, j'ai mis deux nouvelles images dans le répertoire. Parce que ce sera le premier jeu qui aura un logo en plus sur le côté de la boîte. Le logo de la CIL, la charte des illustrateurs ludiques. Ah, attends, qui est le logo illustré à la main, qui est un logo qui garantit que ça a été fait par un illustrateur et pas par une IA. Et c'est dans nos contrats d'ailleurs, hein, il y aura le contrat, en l'occurrence avec le graphiste là, qui dira qu'il n'a pas utilisé d'IA et nous aussi. Henri Kermarek qui est en train de faire le graphisme de ce jeu. Exactement. On parle de graphisme parce que c'est très conceptuel, mais il va faire les illustrations de toutes les cartes. Hein, c'est pas... Mais voilà, c'est très plus conceptuel qu'une illustration très. Lui-même ne se considère pas comme un illustrateur de toute façon, donc c'est pas du tout grossier que de parler de graphiste, de travail de graphiste, hein. Parce que c'est une réalité tout simplement. Hein. Donc voilà, j'intègre notre petit logo de la CIL. Et bienvenue au raid de M. Peebles. Merci. Hello. Et oui. Salut. Salut les Peebles. Vous faisiez quoi avec M. Peebles? Que faisiez-vous sur Twitch? Et oui, dites-nous que faisiez-vous. C'est pas la première en train de fois parler. Et alors, pendant que vous allez nous dire ce que vous faisiez, nous on va vous dire ce qu'on fait. Alors c'est marqué sur l'écran, mais on fait le bilan 2023 de l'année Blue Cocker. Et vu qu'on est des gens bien organisés, on a très 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 peu parlé de l'année 2023. On est surtout en train de parler des jeux qui vont sortir. Mm-hmm. Donc on des a déjà parlé d'un 2024. Jeu d'enquête dont Vianney s'occupe. De David Voy et j'ai plus les noms de David Simian et Pierre Voy. Tu avais mélangé. Oui, exactement, j'ai mélangé et j'avais pas tout le monde, donc c'est génial. Un jeu d'enquête qui s'appellera Cliché criminel, titre pour le moment, mais peut-être ça se modifiera. Et puis là, on parlait de Onyx qui sortira au moment de l'Alchimie de Toulouse. Allez regarder sur leur site quelle date c'est l'Alchimie de Toulouse, qui sera un jeu de Benoît Turpin, Florent Siriex. Mise en image par monsieur Henri Kermarek, et justement donc on présentait
le symbole illustré à la main. Un petit logo qui aura sur la boîte, qui est donc le symbole illustré à la main, qui garantit que à la fois l'éditeur et l'illustrateur n'ont pas utilisé d'IA pour faire ce jeu. Voilà. Eh ben, c'est pas grave, Meeples. C'est sympa d'avoir lancé un. Ouais, c'est pas grave, Meeples. Ben oui, c'est cool. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Onyx? Non. Et puis comme ça, si on avance, c'est cool. Comme ça, le live, il est pas trop long et on est content. Tout ça. Ouais, et est-ce que il y a un autre projet alors pour l'année prochaine? Je crois qu'il y en a un autre, mais je sais pas qui s'en occupe en fait. Alors, il sera. Ah d'accord. C'est moi. Mais si tu parles de Droid Market. Si tu parles de Droid Market, c'est moi. Et très probablement, on va le sortir plus tôt. Et donc, on n'en parle pas ce soir. Parce que Et donc, on n'en parle pas ce soir. On dit juste que c'est un jeu de Fabien Gridel qui, pour le moment, s'appelle Droid Market. Fabien et qui sortira début 2025. Fabien Gridel. Gridel. Voilà. Si vous étiez à Essen, vous avez pu voir des gens avec des t-shirts pas sauf civilisation et le nom de Fabien Gridel dessus. Il faut lui répéter. Fabien Gridel is the new Antoine Beza. C'est ça. Et voilà, exactement. Mais qu'est-ce que t'as... J'aime beaucoup. Bah, c'était une private joke. Moi, à Essen. J'aime beaucoup, ouais. Parce qu'en fait, ça le mettait assez mal à l'aise d'avoir les t-shirts du jeu qui reprennent le logo, en fait la couverture, et donc il y a le logo du jeu et il y a le nom de l'auteur dessus parce qu'ils ont repris l'image de la boîte. Ouais. Attention, reveal. Ça me mettait assez mal à l'aise qu'il y ait des t-shirts avec son nom dessus. Reveal de visuel pour Droid Market. Vous êtes prêts ou pas? Oui, oui. Let's go. Oula. Je croyais qu'on parlait pas de Droid Market. Non, c'est pour ça, on n'en dit rien, mais on montre des images. Ah, écoutez, là. Attention, fin du reveal. Hop là. Voilà. Voilà. Mon ça va être beau. Bon, sinon, ouais, c'est du work in progress Anne Heitzik qui va illustrer le jeu et qui sera par contre mise en page. Pour une fois, c'est pas elle qui fera le maquettage. Ça va être Alexis. Allez, putain, Vander. Ah, putain, je vais écorcher son nom. Pardon, Alexis. Voilà. Et il a pas qu'à être belge aussi. Ok. Allez. Van Merbix. Alors, on dirait en français, mais comme ça, oui, a l'air flamand, on voilà. va pas tenter. Voilà. Tu te rappelles le nom de famille de Vianney ou... Donc, il y a une collaboration. Ouais, mais c'est pareil. Van le putain. En fait, t'as une nouvelle syllabe c'est à la fin pénible. De ton nom, c'est là. On l'a en putain là. Il était pas assez. Vous êtes pas bien. Il y a 30 ans, j'aurais dit on les putain, putain con. Donc, il y gagne. Ouais, ça fait pas mal de syllabes en moins, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Une amélioration. Ouais. Donc, on parle pas de Droid Market. Allez, hop, est-ce qu'on parle de 2023 rapidos ou parce que welcome. Et tout à fait. Tu es la parfaite transition car tes derniers lives. Est-ce qu'on peut terminer de parler de 2024 juste en disant que je pense que ça peut être sympa de le faire aussi. On va parler à moitié de Blue Cocker, mais à moitié d'un autre éditeur de jeu. Il y a un prototype qu'on aurait aimé énormément signer chez Blue Cocker, qui a été signé ailleurs, parce que c'est la vie et que les choses se font comme ça, mais qui va sortir et qui va être, à mon avis, absolument extraordinaire. Ça sortira chez Lumberjacks, et c'est un jeu de Julien Protière et Tom Protière. Et je pense que ça peut symboliser un peu notre année 2023, de dire aussi qu'on a eu ce proto entre les pattes et que celles et ceux qui ont eu la chance de jouer ont beaucoup aimé. Et voilà, ça fait partie des petites choses de 2023. Ouais, ça va carrément le faire. Hein. Et on peut dire ce que c'est ou... Pour le moment, ça s'appellera Fil Rouge. Oui, je pense. Ok. Et c'est quel type de jeu ? On n'en dit pas plus. Ah bah ça, moi je laisse les éditeurs faire leur boulot de communication. Ça c'est vraiment... Oui, ouais, c'est... Puis en plus c'est vraiment une com... Enfin, c'est vraiment un jeu atypique, très... Donc on va rien déflorer là-dessus, mais sachez que moi je me jetterai sur la première boîte qui paraîtra, en tout cas. Et en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres. Ouais.
Mais on était en train de parler de 2023 et de ce qu'on a sorti. Donc, on a sorti deux autres jeux en plus de Caral, c'est Medieval Academy et Welcome Collector Edition. Et justement, c'est parfait que ce soit toi qui l'amène, parce que tes derniers live jeux, c'était sur Medieval Academy. Oui, on a fait quatre, je pense, déjà. Ouais. On a commencé début octobre ou fin septembre, je ne sais déjà plus. Voilà. Mais à la sortie du jeu, c'est en fait. Ça. On a commencé avec. Oh là là, je suis fatiguée moi aussi. Tu sais plus avec le premier, c'était. Mais c'était l'illustrateur. Oh là là, mon Dieu. C'est Antoine Lano. Ah oui, c'était Antoine Lano. Oh, merci. Ouais, bien sûr. Oui. Désolé premier, Antoine, si tu m'entends. Donc on a commencé avec Antoine. Donc vous avez. Mais donc voilà, c'était pas ouf. On a essuyé les plâtres sur. Ouais, on a essuyé les plâtres. C'est ce que j'allais dire. c'était laborieux niveau d'un point de vue technique, mais on s'en est sorti et ensuite on a amélioré les choses petit à petit. Donc maintenant ça va. Je pense que c'est regardable pour des gens qui veulent regarder une partie. À quoi ça peut ressembler une partie de Medieval Academy? Donc la différence avec les lives précédents de Welcome, forcément, c'est que du coup, les gens ne peuvent pas jouer avec nous. Mais ceci dit, maintenant que c'est plus fluide, je pense que ça peut être sympa de venir regarder notre partie. On voit, pour le coup, les gens voient notre score, voient un peu plus les choses, en fait, pour que ça soit notre jeu un peu plus interactif. Ouais, voilà, ils voient notre main de cartes. Bon, ils voient les cartes qu'on s'échange, etc., celles qu'on garde. Et ensuite, évidemment, celles qu'on va jouer pour faire nos actions. Ça fait d'ailleurs partie de notre travail de l'année, de rendre ces live-jeux, d'essayer de travailler pour les rendre beaucoup plus sympas à voir et que les gens se sentent plus impliqués et essayer de... peut-être pas d'en faire un show, mais d'en faire quelque chose d'un peu plus que juste regarder des gens jouer, quoi. Oui, c'est ça. Pour que les gens puissent plus s'impliquer. Et donc, on essaye des choses et on va essayer des choses tout au long de l'année. On a d'ailleurs une réunion prévue mardi prochain, si j'ai bien compris, pour re-essayer des trucs. Et à l'image, Xavier nous a mis... le matériel de Medieval Academy. Du coup, comme tu avais la parole, Adeline, tu vas peut-être nous en parler. Oui, donc dans cette réédition de Medieval Academy, on a un grand plateau magnifique illustré du coup par Antoine Lano. Et donc en fait, les différences globalement, pour ceux qui connaissent peut-être Medieval Academy, le jeu d'origine. Le premier jeu de Blue Cocker, c'est que donc les pistes sont rassemblées sur un beau et grand plateau, alors qu'avant elles étaient individuelles. Et donc, au niveau du matériel, globalement, on a donc des cartes, je ne sais plus combien. En tout cas, un certain nombre par piste. De couleurs, donc on incarne un petit chevalier qui va essayer d'être le meilleur élève possible et qui va donc aller s'instruire, qui va aller au village, qui va aller rencontrer le roi, affronter le dragon, s'entraîner autour du roi et puis apprendre à cuisiner globalement. Et donc on a des petits pions fort mignons pour avancer sur les différentes pistes, un contour et puis des aides de jeu pour le décompte des points à chaque fin de manche, puisque le jeu se joue en 6 manches. En très résumé, voilà ce que c'est Medieval Academy. Et donc, si, quand même, petite chose, le plateau, lui, il est recto verso. Donc, on a côté jour d'un côté et puis côté nuit de l'autre, avec quelques variantes dans les règles. Voilà. Ai-je manqué des éléments à préciser ? Les éléments classiques du jeu, c'est-à-dire il coûte 35 euros au prix public. Il se joue de 1 à 4 parce qu'il y a une variante solo. Il y avait 5. De 1 à 5 parce qu'il y a une variante solo. C'était le 1 qui m'importait surtout de tirer. Du coup, j'ai zappé le reste.
Ça se joue en effectivement une trentaine de minutes. Et on l'a réédité parce que c'était le premier jeu de Blue Cocker qui a été mon premier succès, en fait, hein, qui a permis à Blue Cocker d'arriver jusqu'ici, en tout cas avant Welcome. Il était plus disponible, il était un peu daté, on va dire, dans son look, ce qui, moi, m'allait très bien parce que je suis aussi daté, et pas que dans mon look. Mais ça parlait peut-être moins au public plus récent. Donc, on a décidé de lui donner un coup de jeune, un coup de frais. Et notamment, il y avait quand même des choses qui me gênaient, moi, dans le jeu original, c'était le matériel. Donc, on a beaucoup amélioré l'ergonomie et la lisibilité à la fois des cartes, du plateau. On a réduit le matériel pour ce qui est du comptage des points. On a amélioré la chose, quoi. Et on a essayé d'améliorer mécaniquement, mais en fait, il était très bon et très stable et on n'a quasiment rien changé. À part qu'on a une nouvelle. On a viré nos variantes à deux joueurs et on a remplacé par une autre qui ressemble plus au jeu à plus de joueurs. Alexis nous a fait un mode solo aussi. Voilà, pour les modifications. Il est trouvable dans toutes les boutiques et c'est un super cadeau de Noël. Tout comme Welcome Collector Edition. Qui là est un peu plus notre. J'allais dire notre conclusion, mais disons qu'on ne va pas faire du welcome comme on en a fait pendant 5 ans, quasiment chaque année. Donc là, on va faire une pause. Et on trouvait que c'était une bonne manière de clôturer cette première phase de la vie de Welcome en faisant une édition collector qui reprend. Le welcome de base, donc dedans il n'y aura pas Vegas ni Moon, mais avec toutes les extensions qui étaient déjà parues, donc les 6 qui étaient déjà parues dans le commerce, plus 4 autres qui étaient quasiment pas disponibles à part sur le net ou en PNP ou difficilement. Dans les 4, il y en a une qui est carrément totalement exclusive, c'est Roswell. Et il y a aussi, on s'est lâché, parce que Benoît en a émis l'idée, j'ai trouvé ça très bien. On a demandé à 6 illustrateurs assez connus et surtout qui nous plaisaient, dont le travail nous plaisait beaucoup, de réinventer la feuille de base de Welcome avec leur univers et leur thématique. Et donc, ben, dedans, vous avez donc ces 6 versions de la feuille de base. C'est les mêmes règles exactement, mais ça vous permet de jouer avec un visuel différent. Et vous avez aussi plein de cartes objectifs en plus. Vous avez quelques cartes maison en plus, enfin numéro maison, qui Avec ont Harry Potter. notamment la carte 9 3 quarts avec Edwige dessus. Pour ceux qui ont la référence à Harry Potter, mais qui ne l'a pas. Vous avez voilà plein de petits contenus en plus et bien sûr le tout est plastifié avec des Velléda fournis, donc fini les gros blocs de feuilles, ce qui était un peu indispensable parce que comme on vous le dit, il y a 10 feuilles différentes. Donc si on a fait 10 blocs de 100 feuilles dans la boîte, Welcome serait devenu un sport plutôt qu'un jeu, parce qu'il aurait fallu soulever la boîte déjà pour y jouer. Je ne sais plus qui, mais quelqu'un faisait la remarque sur les feutres qui étaient les meilleurs que la personne n'ait jamais vu, n'ait jamais testé. Au début du live. Eh ben, on en a, pour parler vulgairement, on en a chié pour les trouver, en fait, parce qu'il faut aller trouver des petits feutres qui soient suffisamment fins. Et ça n'a pas été simple, le sourcing de ces feutres. Mais effectivement, là maintenant, on en est assez satisfait. Voilà. Donc, Welcome Collector Edition, de 1 à 6 joueurs, du coup, et plus 1 à 100, parce que, bah, du coup, là, il y a un nombre de feuilles limité. Mais enfin, si vous imprimez les feuilles qui sont disponibles sur notre site et que vous les plastifiez, bah, vous pouvez rajouter des joueurs, hein, sans trop de soucis. Vous pouvez aussi racheter une boîte, mais ça, c'est juste pour nous faire plaisir.
Et voilà, c'est 42 €, c'est disponible. Donc on a fait un très gros print pour être sûr qu'il y en a à Noël, et il y en aura plus qu'à Noël. Mais ce sera le seul print donc qui va courir sur l'année prochaine. Mais on le rééditera probablement pas parce que c'était vraiment une édition collector. Donc il y en a beaucoup pour la France, il va y en avoir dans plein d'autres pays aussi. Mais c'est pas un produit qui est destiné à rester et à durer. Par contre, l'année prochaine, la version normale à 24 € de Welcome sera elle aussi plastifiée et aura bénéficié du travail de réécriture des règles. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé les règles, mais on les a formulées différemment en s'appuyant sur l'expérience des 5 années de vie de Welcome pour voir ce qui était un peu difficile à comprendre par les gens, parce que ben, forcément, tu as des retours. Et du coup, bah, tu formules un peu différemment, et là, les gens comprennent mieux. Voilà, tu retravailles la chose, quoi. Tu changes. On a changé quelques petites illustrations pour les extra fans. Vous verrez que les logos des actions sont pas tout à fait les mêmes. On en a changé un par rapport qui faisait trop penser à la barrière. Ben, l'intérimaire, il fait moins se penser à la barrière, même si c'est moins raccord historiquement parlant, parce que maintenant c'est un cône de chantier, alors que dans les années 50 aux États-Unis c'était pas des cônes de chantier, c'était des petites barrières de chantier. Mais ça faisait penser à la barrière blanche qui est la séparation des lotissements, donc ça induisait une perturbation chez les gens, donc ben, ça on l'a changé, Il y a notamment des bis des aussi, non, petites. qui sont plus des bis? Oui, voilà, parce que ça c'était très franco-français. Et que dans les autres pays, ceux qui ont eu l'occasion de voyager se rendent compte qu'il n'y a que nous qui, dans les rues, faisons le 10, le 10 bis, le 10 ter. Les autres, ils font soit ABC, soit ils font des numéros, des autres numéros, et voilà. Et il n'y a qu'en France, quasiment, qu'il y a cette notion de bis, ter et tout ça. Donc c'est un peu dommage pour un jeu qui a maintenant une vie internationale assez forte. Donc on a changé ça aussi. Voilà pour Welcome Collector Edition. Bien, merci bien. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, j'ai l'impression? J'ai une petite chose à dire sur Welcome Collector Edition. Donc on le vendra à Cannes, bien sûr. Mais on va aussi vendre, j'ai d'ailleurs mis une petite image dans le répertoire, Xavier, des linogravures de Anne. Donc une linogravure pour ceux qui savent pas, en fait c'est elle a gravé une illustration sur une espèce de tampon qui fait que chaque linogravure est un peu unique parce que la manière dont tu l'appliques fait que c'est pas tout à fait pareil, et c'est quand même une gravure originale de Anne, et donc elle va nous en faire quelques-uns, pas des centaines. Mais on en aura quelques dizaines à vendre à Cannes. Alors il faut savoir que là-dessus, nous, on ne prend pas de sous, hein. C'est elle qui touche tous les revenus de la chose, et ça augmente un peu les revenus des illustrateurs qui en ont bien besoin, notamment avec l'IA qui vient manger leur travail. Et c'est à peu près tout. Trop bien. Parce que Anne, ne vivant pas en France, il y a peu de chances qu'elle aille sur plein de festivals. Voilà. Et voilà, vous avez à l'écran les superbes choses C'est pas resté longtemps parce que que, en Anne a fait, j'ai bouffées, recréé une page et entre autres. il y avait Voilà. plus les sons, mais je vais le mettre là dans notre petit décor de Noël. Je vais l'ajouter. Ouais, voilà. Très bien. Ok. Que les gens voient. Ben écoutez, Le temps qu'on dise au revoir. je sais pas si on a autre chose à dire. Ouais. Bah, je pense pas. On a fait le tour. Ouais, c'est déjà pas Merci mal. pour toutes ces Ah infos, si, en tout cas, jouer à tout le des monde. jeux, il y a eu plein de bons jeux en Ah 2023. mais Le oui, fou, oui, jouer si à on des pourrait jeux. finir, on pourrait finir pour en disant quel est le jeu chacun qui vous a marqué en 2023 et qui n'est Mais pas un moi, jeu j'en Blue parle Cocker, tout le s'il vous plaît. temps. Moi, je parle toujours du même Ah oui. quand on pose la question depuis C'est pas grave. les derniers lives. Moi, j'ai beaucoup aimé le voyage de Darwin. Je le trouve trop beau. Ah.
Bah, j'ai toujours je pas suis joué, moi. toujours aussi fan de. Enfin, toutes les illustrations sont uniques sur les cartes et je le trouve magnifique. Il est vraiment. Enfin, je suis amoureuse de ce jeu et je trouve qu'il est simple comme j'aime et en même temps hyper agréable à jouer. Ça tourne vite et bon, voilà. C'est. Moi, je suis pas fan de jeux qui durent de 3 heures. À part vraiment un coup de cœur, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt ce que je recherche, moi, pour pouvoir jouer avec les gens, parce que sinon, les gens dans mon entourage, en tout cas, sont pas des joueurs fou 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 et des Ils petits vont jeux pas jouer comme à ça 3 heures. marche bien avec la famille aussi. Et j'ai hâte de le faire découvrir à Noël, par exemple. Ben du coup, tu ne joueras pas à mon coup de cœur du moment, qui est Nucleum, Ah oui. qui dure 3-4 heures, qui est un gros jeu de gestion. Pas si gros que ça, en fait. Il y a pire. Mais justement, moi, j'ai bien aimé le côté fluide, le côté très riche, et le côté un peu innovant, quand même. Et donc là, on a fait 4 parties pour le moment, dont 2 dans une même soirée, ce qui prouve qu'on est accro. Et on va probablement en refaire une demain. Et voilà, c'est mon kiff du moment, on va dire. Et donc, ce qui Et est vous? drôle, c'est que, parce que comme on n'a pas cité les auteurs, je me dis que je vais le faire. Ah Ce oui, qui est drôle, pardon. c'est que par contre, l'auteur de ces deux jeux est le même. Non. Ah oui? Il s'agit de Simone Luciani. Alors qu'il y a deux C'est vrai? co-auteurs différents, mais oui, tout à fait. Voilà, Ah, donc je je savais trouve pas ça qu'il avait chouette. fait Voyage de Darwin. Ah, bah écoute, ça me motive C'est d'autant cool plus pour ça. aller le. Et ça veut dire que les auteurs, c'est vraiment incroyable parce qu'ils sont forts. Ouais, ils sont Attends, forts. mais en fait, j'ai fait Ah, une j'ai bêtise. reperdu Adeline. Ah. Ah, c'est bon, Adeline est Alors, revenue. les traces de celui dont je parle. C'est pardon? Sur les ah oui, le jeu dont je parle. Ah, oui, c'est vrai qu'il y a deux jeux sur Darwin en ce moment. Ah, ok, tu parles pas du dernier qui est sorti. Ok. Pardon, moi j'étais là-dessus. Et le... Oula, on a perdu Xavier. Ah, moi aussi j'ai perdu Aline. Ouais, là on Ah. se perd tous mutuellement. Ouais. Ah, Mais j'ai ça va. fini Et que on j'ai nous voit fini. encore. Oui, vous inquiétez pas. Bon, Bon, Donc j'étais en train de dire que du coup Darwin Journée, Darwin's, pardon, Journée, moi je parle très mal anglais. C'est un jeu plus long et un jeu de gestion de ce que j'ai compris, enfin, de pause d'ouvrier de ce que j'ai compris. Donc Ah, qui rien à ressemble voir plus avec à. celui dont je parle. Ouais. Bon, donc c'est pas le même Non, auteur. mais ça c'était été rigolo. J'ai quand même Mais envie n'empêche, d'essayer l'autre. pendant que les deux autres nous disent leur kiff du moment, ce serait bien qu'on trouve les auteurs du tien pour les Alors, citer. moi, du coup, je les avais. C'est Grard et Verdier. D'accord. Il n'y a que les initiales, donc je ne peux pas dire les prénoms. Verdier, c'est Mathieu, si je dis pas de bêtises. Ouais, et Grard, c'est Grégory. Voilà. Ok, merci. Donc Grégory Grard et Mathieu Verdier. Et les illustrateurs Brillant et Sibon. Oh, génial, j'adore. T'as l'impression que c'est des faux noms, quoi. C'est tellement faux. Ça sent Ah ouais. l'IA, ça sent l'IA. Mais oui. Le mec lâche une bombe. Genre Mais Dutray, non, quoi. en vrai, moi je Genre l'ai vu, Dutray, il c'est un vrai nom dédicaçait son d'illustrateur. jeu Ouais, c'est vrai. à Paris, il lui dit qu'il Ouais, dédicaçait son voilà jeu, quoi. l'illustrateur. Donc Ouais, enfin, mais si bon. c'était peut-être un intermittent payé pour le faire, hein, mais. Oh. Bon, plus compliqué, on est d'accord de jouer un rôle d'illustrateur, mais le mec est peut-être juste bon, quoi. Ouais. Mon Dieu. Je cherche les prénoms. Si Mais c'est pendant vraiment des jeux de que... mots du début à la fin, il y a un problème. C'est excellent. Genre, si Sibon, son prénom c'est Hillel, tu vois, ou un truc du style. Hillel. C'est David. Hillel Sibon. Ok, d'accord, allez, c'est bon, ça c'est fait. C'est David Simon et Maude Briand. Bon, ça va mieux alors.
Mais c'est très très joli en tout cas. Comme... Bon, Xavier, Vianney, vos coups de cœur du moment. Putain, je cherche, moi je suis un peu en panne parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément des trucs de 2023. J'ai joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de proto cette année. Non, mais j'ai joué énormément de proto cette année. Et j'ai joué énormément de proto qui m'ont chauffé en fait et que j'ai rejoué plusieurs fois. Soit parce que je participe au développement, soit parce que j'ai eu l'occasion d'y rejouer et que j'ai trouvé ça cool. Mais sinon, il y a le projet que je suis en train de jouer en ce moment, mais le projet, j'ai l'impression que c'est sorti oui. Il y a longtemps. Voilà. Mais ça, c'est de la balle, donc on peut en parler autant qu'on veut. Ouais, voilà. Mais j'ai du mal à me prononcer complètement dessus parce que c'est un jeu où tu découvres ce que tu. Enfin, au fur et à mesure, tu découvres le jeu. Donc je pense que je pourrais dire. Termine la campagne. Ouais. Pardon ? Termine la campagne et après tu pourras dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je prends beaucoup de plaisir à y jouer et à être dans ce truc de suspense, de oh là là, ça a l'air bien. Oh, et puis regarde, apparemment, il se passe des choses. Voilà, un jeu du fameux Kore Konizia. Donc, et superbement édité, en tout cas jusqu'à présent, je trouve très bien édité. Très très beau concept, très très beau art concept de boîte et tout, super chouette, très très beau boulot, mais comme souvent avec ce monsieur, donc voilà. Bah là, et avec cette maison d'édition. Ce qui est différent par rapport à ce qu'il a fait d'habitude, c'est qu'il s'agit du premier jeu qu'il a auto-édité. Ah oui, c'est une auto-édition, c'est vrai. Ouais. Qui s'appelle Unexpected Games. Ouais, avec un super logo. Ouais. Je pense qu'il a vraiment fait, j'ai pas lu ce qu'il a fait, mais à mon avis, c'est un projet de vie. C'est vraiment, il s'est dit, mais ça, je veux le faire comme ça, et il n'y a pas d'éditeur qui veut le faire, donc je vais monter ma boîte d'édition pour le faire comme ça. Et bah moi, je trouve ça super abouti, j'ai adoré, je trouve ça grandiose. Moi, c'est un jeu, je pense que tu me le mets dans les pattes quand j'avais 11 ans, je parlais que de ça, quoi. Ouais, genre, moi, je joue avec mon fils cadet qui a 13 ans, et on se tape un trip tous les deux, vraiment, vraiment super classe, quoi, de « oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer après, quoi ?» Ah oui, de ouf. Donc, ouais, trop bien. Et c'est pas forcément... Bah, il a 13 ans, donc c'est plus un enfant, ça pue un enfant, c'est... Il est passé dans l'âge où tu peux jouer à des jeux d'adultes tant que les thèmes sont pas au secours, et donc c'est pas du tout un jeu qui est fait pour forcément jouer avec ses enfants, mais disons que c'est une super expérience à partager, voilà, si vous avez des ados, notamment... Et cool. Comme les ventes ne sont jamais le reflet de la qualité d'un jeu, la bonne nouvelle, c'est que comme il n'a pas marché, vous pouvez le trouver à des tarifs relativement bas, si vous cherchez ouais, bien. Probablement, ouais, probablement, c'est clair. Et vous aurez le droit à une magnifique boîte de jeu. Ouais. à tout point de vue. Grave. Voilà. Et toi, Vianney, du coup Moi, si je dois parler jeu de société, parce que c'est le sujet, donc je ne parlerai pas de jeux vidéo. Ah ben, je pourrais parler jeux vidéo aussi, hein, par contre, attention. Du coup, je pense que ce qui m'a le plus enthousiasmé cette année, ça reste Spirit, de Julien Protière et Baptiste Laurent. Moi, j'avais eu, et édité chez Olibrius. Ouais, c'est Olibrius. Ouais. Donc, j'avais passé. Enfin, j'avais testé ça à Cannes il y a quelques années en proto. Ça m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Je l'ai acheté tout de suite quand il est sorti. Et c'est vraiment un extraordinaire jeu, je trouve, à plein de niveaux. Un jeu clivant, qui a plein de gens qui vont jouer, qui vont trouver que c'est pas bien. Parce que c'est un jeu qui a une vraie proposition forte, je trouve, dans ce qu'il amène. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime jouer maintenant. Et puis, ça fait trop longtemps que je suis blasé. Donc, les petits jeux qui me sortent de ma zone de confort, ça, j'aime beaucoup ça. Et c'est le cas avec Spirit, où vraiment, tu fais un truc en jeu qui ressemble... C'est un espèce de mix entre du The Mind et... Et un espèce de Scrabble étonnant. Enfin, c'est vraiment... et je dis ça, et en même temps, c'est ni un jeu de lettres, ni un The Mind. Mais c'est vraiment très, très original. très rapidement, l'idée, c'est que ça simule la sensation qu'on pourrait avoir en faisant une session de Ouija. C'est-à-dire les sessions où on communique avec les esprits qui vont nous dire des mots, des phrases, en amenant la petite flèche sur la bonne lettre. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'après ça se découvre, mais l'idée c'est de simuler un peu ce qu'on peut vivre dans ce genre de situation. Et okay. C'est, moi je trouve, grandiose à tout point, c'est très simple d'accès, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a un facilitateur qui a lu la règle, on peut faire jouer n'importe qui. C'est juste, là, comme pour Mysterium, c'est des jeux où la règle est un peu complexe, mais passer cette étape de la complexité de la règle, tout le monde peut jouer, quoi. Et c'est vraiment la manière dont les auteurs ont trouvé comment faire vivre les sensations, ne serait-ce que physiques, de ce qui pourrait se passer dans une séance de Ouija si vraiment les esprits existaient. Pardon, je prends position. Oh là 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 là. Et ça va... Oh mais alors là, vous avez vu ou pas l'étendue, la petite étendue d'eau un peu sale là ou pas vous Oh mais qui a coupé ma caméra? Oh c'est un esprit. C'est un esprit. Un esprit vengeur.
Parce que je viens de jeter un polyèdre en fait dans cette petite étendue d'eau salée et d'eau sale, pardon. En tout cas, moi je trouve ça méga cool la manière dont ils ont apporté ce que physiquement on ressent, la sensation physique de la séance de Ouija. Ils ont réussi à faire un truc très très joli et qui raconte quelque chose mécaniquement en plus. Et que n'arrivent même pas à faire les vendeurs de consoles qui nous mettent tout un tas de moteurs dans les manettes pour nous donner l'impression qu'on ressent des trucs dans nos mains. Non, ils le font super bien, les vendeurs de consoles, faut pas déconner. Mais là, juste avec du low-tech, comme le dit Vianney, ils arrivent à faire un truc de fou. C'est ton expression, Vianney, le low-tech. Tu dis c'est tout pas... le temps, de toute façon, le jeu de société, c'est du low-tech. Voilà. Oui, mais c'est pas la mienne. Non, mais ça balance. Ça. C'est vrai que je dis souvent ça, mais c'est... Non, mais pour Spirit, c'est très, très étonnant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue en termes de sensation sensorielle, physique, de toucher, musculaire, et où on se dit, bah, voilà, dans une séance de Ouija, il se passe des trucs. Et là, ça se produit aussi, et c'est donné par le jeu. Et je trouve ça dingo d'avoir réussi à faire ça, et qu'en plus, ça marche ludiquement parlant. C'est vraiment très chouette. C'était pour apporter de l'eau à ton moulin. Magnifique. Oui, et on en parle beaucoup trop peu en cette fin d'année. Je suis très triste. Voilà. Ouais. Alors après, pour vous donner une indication, les gens, juste à propos du jeu, n'hésitez pas à le demander dans vos boutiques, bien évidemment. Et la couverture, en fait, c'est une planche de Ouija. Donc, c'est une boîte qui est allongée et c'est une planche de Ouija. Et ensuite, le titre, il est écrit sur les bords de boîte, donc c'est moins facile à voir en boutique. Et le titre est écrit comme si la boîte était posée à plat et que c'est une boîte qui risque de finir vraiment calée sur le bord. Voilà. Donc, c'est une boîte bleu foncé avec marqué Spirit en clair sur les bords. Pas dans le sens de la lecture, il faut tourner la tête. Ou sinon, c'est une planche de Ouija pour les boutiques qui arrivent encore à le mettre en facing sur les linéaires de Noël, quoi. Ce qui doit être moins évident. Enfin bref, voilà, peu importe. Et ben merci pour tous ces retours d'expérience. Samedi avec Simon. Bah cool. Voilà. Et on pourrait finir parce que quand même. En se disant au revoir. En montrant la photo du dernier chef de projet. Bah allez. Oui, t'as glissé la photo dans le. Il s'occupe de tous les projets de merde du coup. Oui. Les projets de merde, les projets de pisse, c'est lui qui gère. Ça oui. Oui, c'est où est-ce que tu as mis la photo, Alain encore. Je la vois pas. Bon. Putain. Et c'est Benoît. Où est la photo? C'est clair. C'est image. Hein? Pardon. Image.png. Non, mais là, j'ai le. Dans le répertoire, il y a un fichier qui s'appelle image. Dans le répertoire, normalement, il y a un fichier image.png. Ok. Mais il n'y a pas. Dans le dossier que j'ai ouvert, je vois pas cette image. Ce sera pour le prochain live Twitch. Ah, image.png. Ah oui, alors c'est un lien mort, pardon, excuse-moi. C'est une image, oui, donc c'est pour ça que je la voyais pas. Ah ben alors, c'est un lien Google Chrome. Je vais rapidement t'en donner une autre car j'ai toujours sous la main. Mais il était pas il bossait pas avec toi aujourd'hui, il est pas à Toulouse là ton développeur. Si, mais c'est une grosse feignasse et il dort. Donc j'ai tout à l'heure on le voyait on l'a on l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez un peu vu mais pas trop. Il a été il était sur le dos même dans le couloir. Ouais. Sans dire ce que c'est très bizarre. Bon, il n'y a pas que lui sur la photo, mais je veux bien la montrer quand même. Ah il appelle c'est comme ça qu'il nous appelle d'habitude, hein, faut que vous sachiez. Ouais. Il nous siffle dessus. Randy. Randy. Non, il dort, il veut pas. Bah réveille-le, écoute. Ouais, mais il veut pas. Tu viens, Randy, tu viens me voir. Viens là. Oula, t'arrives pas à te lever même. Oh, on voit le bruit. Alors sur Twitch, on le verra pas, mais c'est tellement drôle de voir la cam en entier d'Alain. Parce que le chef de projet, il arrive par petits bouts. Ah. Oh, alors. Oh, Dieu. Attention. Il faut aller le chercher. Ben oui, il faut aller le chercher. Voilà. Et encore mieux qu'une photo. Encore mieux qu'une photo, Xav. Ouais. J'ai l'impression. Oh, regardez-moi ça. Magique. Oh, regardez-moi ça. Oh, il est loqué. Il est en train de dormir. Ce serait tellement drôle qu'il vomisse maintenant.
Mais il en est capable. Vous voyez, il bouge. Il est formidable. Magnifique. Bon, oui. Et donc il s'appelle Benoît. Voilà. Et il a pris l'habitude de chier dans les chambres, en fait, des gens. Ah, oh, mais ça, c'était pas obligé. Hein. Non, mais il n'est pas encore super propre. Ouais. C'est vrai. Mais maintenant, ils ont une expérience quand tu traumatisante, dis assis, on dit tel chien, tel maître. C'est Benoît qui... C'était drôle parce que chaque matin, Benoît, il se lève. Manifestement, il n'est pas très réveillé. Et comme Randy, dans la nuit, a pu faire pipi un peu, chaque matin, Benoît a marché... dans le pipi de Randy. Voilà. A pu un je peu. Tiens le dire. J'adore. Il y a des flaques un tous peu. Les deux mètres, mais. Monsieur, mais non, je suis pas vrai. Bah, la prochaine fois que je viens à Toulouse chez toi, moi j'ai des échasses, bon, hein, c'est clair et net. Hein. Bon, merci à toutes et tous, hein, c'était cool. De voir vos bouilles. Ouais. On va conclure sur ça. Hein. Ouais. Alors, normalement, on se retrouve rien dans une semaine. C'est ça. Dans une semaine, live jeu Medieval Academy. Pour l'instant, je n'ai pas d'invité. Parce que la période de Noël, personne ne veut. Bah oui. Mais je vais tester le mode solo d'ici là toute seule et je vais voir si ça peut se faire. Allez. Ah bah oui. Voilà. Donc comme ça, ce sera un moyen de découvrir le mode solo au pire. Et puis, si jamais, peut-être ce sera avec la tartine ludique. Ah bah voilà. Qui est un bar à jeu. Voilà. Donc on verra, et en tout cas ça sera mercredi prochain à 21h. Donc n'hésitez pas à venir pour découvrir le mode solo potentiellement, parce que j'avoue être un peu craintive. Eh ben, on regardera ça. On verra. Et sinon, bah voilà, après petite pause pour Noël je pense. Oui, oui. Et on reprendra en janvier. Ça roule. Ça marche. Merci à tous d'avoir été là. Eh ben salut tout le monde. Et puis on se dit à bientôt. À plus tard. Bonne fin de soirée. Des bisous. Salut.